sa tête. Voilà. On est guéri et délivré, est-ce suffit elle-même ou affranchir les hommes? Elle n'a besoin de rien, elle est complète et pure et sainte, elle a tout en elle-même. Au ciel, même quand tout va mal et que les temps sont durs, mon seul appui c'est elle, la parole de Dieu. Même quand tout va mal et que les temps sont durs, mon seul appui, c'est elle, la parole de Dieu. Ta parole est puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle suffit elle-même pour affranchir les hommes. Elle n'a besoin de est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, convaincre, pour corriger et instruire dans la justice de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, convaincre, pour corriger et instruire dans la justice de Dieu. Ta parole est puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même pour affranchir les hommes. Elle n'a besoin de rien. Bienvenue dans le Seigneur, bonsoir. Beloved in the Lord, good evening. Je rends grâce à Dieu qui accorde ce privilège de pouvoir m'adresser en cette soirée à son peuple nombreux. I bless God who gives me this privilege to talk to his numerous people. Et je profite de cette occasion pour saluer tous les bien-aimés qui sont répandus dans toute l'Afrique. And I seize this occasion to talk to send my regard to all the beloved everywhere in Africa. Et dans la diaspora. And in the diaspora. Ce soir, nous allons parler d'un thème. This evening we're going to talk about a theme que je pense très important. Which I think is very important. L'ordre dans l'église. Order in the church. Pour une meilleure stabilité dans la foi. For a better stability in faith. Et mieux accomplir notre mission. And to well accomplish our mission. Alors nous allons commencer, mais je vais d'abord prier. We're going to start, but I will first pray. Seigneur, nous te disons merci. Te rendons grâce pour ce moment que tu as bien voulu initier. Merci parce que tu mets ce moment en contribution pour que ta parole soit prêchée. Et que tes enfants que nous sommes, nous puissions grandir dans la connaissance de celle-ci. Afin que notre marche puisse être conforme à ce que tu attends de nous. Merci pour l'instrument que je suis. Merci pour les mots que tu seras mis dans ma bouche. Et merci pour la compréhension que tu accorderas à Dieu. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, nous allons nous entretenir ce soir sur l'ordre dans l'église. So, beloved, as I was saying, we're going to talk about order in the church.
Et quand nous parlons de l'église, when we talk about the church, nous ne parlons pas de l'église d'un homme. We don't talk about the church of a man. Nous ne parlons pas d'une dénomination. We don't talk about the denomination. Mais nous parlons de l'église du Seigneur. But we talk about the church of the Lord. Cette église que lui-même bâtit. The church that he himself built. Et donc, lorsqu'il est venu sur la terre, and when he came on earth, il a fait l'annonce qu'il va bâtir cette église. He announced that he's going to build that church. Et nous avons ce verset de Matthieu chapitre 16 verset 18. And we have this verse of Matthew 16 verse 18. Et c'est le Seigneur lui-même qui parle. The Lord himself is talking. Et moi je te dis que tu es Pierre. And I tell you that are Peter. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. And on this rock I will build my church. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. And the gate of hell will not prevail against you. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Jésus lui-même qui parle. Beloved in the Lord, Jesus himself is talking. Et il dit qu'il bâtit son église. He says he builds his church. Et la plupart des temps, lorsque nous écoutons le séminaire, and most of the time when we listen to the seminar, on nous explique souvent que en fait c'est Jésus lui-même qui construit son église. That explains that Jesus himself is building his church. Et il ne s'agit pas de l'église d'un homme. And it's not the church of a man. Il ne s'agit pas en fait de l'église qui est une dénomination. It's not the denomination. Mais il s'agit de l'église de Dieu lui-même. But it's the church of God himself. Oh, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans le Nouveau Testament. Beloved in the Lord is in the New Testament. Que pour la toute première fois, that for the first time, le mot église est mentionné. The word church is being mentioned. Or, dans l'Ancien Testament, on ne voit pas de façon claire, on ne voit pas mentionner l'église. But in the Old Testament, clearly, we don't see mention the church. Or, l'église dont on parle ici, dont le Seigneur parle ici, but the church the Lord is talking about here, c'est l'église qui prend corps dès la Pentecôte. Is the church beginning since Pentecost. Et cette église continuera jusqu'à l'enlèvement. And that church will continue till rapture. Et c'est de cette église dont nous allons parler aujourd'hui. And it's about that church we're going to talk today. Dans laquelle l'ordre doit régner. In which order should reign. Alors, il est donc important pour nous de mieux d'abord comprendre ou alors de mieux connaître ce que c'est que l'église. So it's very important for us to first understand what means the church. Et nous allons faire un parallèle avec des images que nous voyons dans l'Ancien Testament. And we're going to make a parallelism with the Old Testament. Et là, nous pouvons nous rendre compte que Dieu est le même. And we can realize that God is the same. Et qu'il ne change pas. And he's changeless. Dans sa façon de fonctionner. In his way of functioning. Alors, mieux connaître l'église. Well known the church. Dans le livre de dans le livre de Actes chapitre 7 verset 38. In the book of Acts chapter 7 verse 38. La Bible dit. The Bible says. C'est lui qui lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères reçut les oracles vivants pour nous les donner. Donc, la Bible nous parle ici dans Actes chapitre 7, verset 38 de l'Assemblée du désert. In Acts chapter 7, verse 38, the Bible is talking about the assembly in the wilderness. Mais dans l'Ancien Testament, on ne nous a jamais parlé de l'Assemblée du désert. But in the Old Testament, they never mentioned that. C'est-à-dire, cette expression ne ressort pas. That expression doesn't come out. Mais cette expression vient ressortir dans le Nouveau Testament. But that expression comes out in the New Testament. Dans le livre des Actes des Apôtres. In the book of Acts of Apostles. Et on peut se rendre compte que and we can realize that cette assemblée qui se trouvait au désert, that assembly which was in the wilderness, est l'image de l'église qui a pris corps lors de la Pentecôte. Is the image of the church who embodied during Pentecost. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, so beloved in the Lord, quand on parle d'assemblée, when they talk about assembly, il n'y a pas une. En fait, c'est la. Quand on parle d'assemblée, on peut aussi parler d'église. When we talk about assembly, we can talk about the church. Parce que quand on dit assemblée, c'est le rassemblement ou alors le regroupement de plusieurs personnes.
Because the assembly is the gathering of many people. C'est pour ça qu'on peut parler de l'Assemblée nationale. That's why we can talk about national assembly. Qui est l'ensemble des élus du which, peuple. Which is the gathering of the elect of the people. Et cet ensemble des élus du peuple constitue ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. And that a gathering of the elect is what we can talk about national assembly. Or l'assemblée qui se trouvait dans le désert. The assembly in the desert était constitué de tous ceux-là qui sont sortis de l'Égypte. Was constituted of all those who came out of Egypt. Ils sont sortis de l'Égypte. They came out of Egypt. Ils ont traversé la mer Rouge. And they crossed the Red Sea. Et ils ont constitué une assemblée qui s'est trouvée dans le désert. And they constituted an assembly which was in the wilderness. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour que cette assemblée puisse exister, beloved in the Lord, for that assembly to come to existence, il devait avoir deux choses. Two things had to take place. La première chose, c'est qu'il fallait d'abord que le sang de l'agneau pascal. The first thing was the blood of the lamb. Et on pouvait le voir dans Exode chapitre 12 versets 21 à 22. We could see that in Exodus 12 from 21 to 22. La Bible dit. The Bible says. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Donc on peut se rendre compte ici que so we can realize here that l'agneau a été immolé. The lamb was killed. Et cet agneau qui a été immolé, elle a été immolée juste après, just after, avant la sortie au temple, moi, avant la sortie des enfants d'Israël. Before the coming out of the children of Israel. Parce que tant que cet agneau n'était pas immolé, because as far as that lamb, les enfants d'Israël ne pouvaient pas sortir. The children of Israel could not come out. Alors l'agneau sera immolé, the lamb will be killed, et les enfants d'Israël vont sortir. And the children of Israel will come out. Et lorsqu'ils vont sortir, and when they will come out, ils vont traverser la mer Rouge. They will cross the Red Sea. C'est la deuxième chose. That's the second thing. La traversée de la mer Rouge. The cross of the Red Sea. Qui n'est rien d'autre que l'image du baptême. Which is the image of baptism. Et on peut le voir dans Exode 14, verset 22. We can see that in Exodus 14, verse 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. And the Israelites went through the sea on dry ground with walls of water on both sides. Donc, ils vont traverser la mer. So they will cross the river. Et après cette traversée de la mer, after the crossover of the sea, ils vont entrer de plein pied dans le désert. They will enter directly to the desert. Et dans le désert, and in the desert, ils vont constituer l'assemblée. They will constitute the assembly. Bien aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, what happened with the children of Israel, n'était qu'une image, was just an image, de ce qui se passera avec l'Église. Of what will happen with the church. Et c'est la même chose dans la réalité. And it's the same thing in the reality. Pour que l'Église vienne à l'existence, for the church to come to existence, pour qu'on parle de l'Église, for us to talk about the church, il fallait deux choses. We needed two things. Il fallait que Christ meure. Christ had to die. Il fallait que Christ soit immolé. He had to be immolated. Et comme la Bible nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. As the Bible says in 1 Corinthians 5 verse 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. You must remove the old yeast for of sin, so that you will be entirely pure. Then you will be like a new batch of dough without any yeast, as indeed I know you actually are. For our Passover festival is ready, now that Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Donc bien aimé dans le Seigneur, so beloved in the Lord, Christ qui est notre Pâque, Christ which is our Passover lamb, a été immolé. Was sacrificed. Agneau. Et Christ, and Christ représente également cet agneau qui a été immolé en Égypte. Represent that lamb that was immolated in Egypt.
Non seulement Christ a été immolé, ça veut dire le sang a été versé. Not only that Christ was immolated, that means the blood was shed. Mais également il y a eu baptême. But equally we had baptism. Et ce baptême. And that baptism. Après ce baptême, nous constituons maintenant ce que nous appelons l'Église. After that baptism, we constitute what we can call the church. Et on peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 10. We can see that in 1 Corinthians chapter 10. Verset 1 et verset 2. Verse 1 to 2. Et 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. And 1 Corinthians 12 verse 13. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, so beloved in the Lord, le baptême, baptism, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. We were all baptized in the same spirit. Et étant baptisés dans un seul esprit, being baptized in the same spirit, nous formons un seul corps. We form one body. Et c'est ce corps que nous appelons l'Église. And is that body we call the church. C'est ce corps que nous appelons l'Assemblée. Is that body we call the assembly. C'est-à-dire le regroupement de tous ceux-là qui sont sauvés. It means the gathering of all those who are saved. Amen. Amen. Alors, de façon universelle, so universally, l'Église s'étend partout. The church is extended everywhere. Et cette Église qui est partout, and that church which is everywhere, qu'on peut retrouver partout, that we can find everywhere, c'est l'Église du Seigneur. Is the church of the Lord. Elle commence depuis la Pentecôte, comme je l'ai dit, it started since Pentecost, jusqu'au retour du Seigneur. Till the coming of the Lord. Donc cet intervalle-là, depuis la Pentecôte jusqu'au retour du Seigneur, so that interval, from Pentecost till the return of en fait, the Lord, c'est l'Église. Is the church. Mais on peut aussi voir l'Église sur le plan local, but we can see the church in the local plan, qui est aussi le rassemblement de tous ceux-là qui sont sauvés, mais qui se retrouvent dans une localité bien précise. Which is the gathering of all those who are saved, finding themselves in the same locality. Et on peut entendre l'apôtre Paul dans ses écrits, dans ses lettres, and we can hear Pastor Paul in his scriptures, parler des saints qui se trouvent à Corinthe. Talking about the saints who are in Corinth. Écrit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Writing to the church of God in Corinth. Écrit à l'église de Dieu qui se retrouve à Colosse. Writing to the church of God in Colossians. Écrit à l'église de Dieu qui se retrouve à Thessalonique. Writing to the church of God in Thessalonique. Ce sont des endroits physiques. Those are physical places. Mais dans lesquels on retrouve ceux-là que Dieu a sauvés et qui sont dans cette localité. In which we find those that God saved and who are in that locality. C'est comme nous sommes en Afrique. It's the same way as we're in Africa. Quand on parle de l'église en Afrique, when we talk about the church in Africa, c'est l'ensemble de tous ceux-là que Dieu a sauvés et qui se retrouvent en Afrique. It's the gathering of all those that God has saved who are in Africa. Et en Afrique, nous avons plusieurs pays. And in Africa, we have many countries. Le Cameroun, le Togo. We have a Cameroon, Togo. L'Afrique du Sud. We have a South Africa. Le Tchad, le Gabon. Tchad, Gabon. Le Bénin. Benin. En fait, on peut donc parler de l'église du Cameroun. In fact, we can talk about the church of Cameroon. L'église du Tchad. The church of Tchad. C'est tout cela que Dieu a sauvé et qui se retrouve au Cameroun et au Tchad. Is all those that God have saved who are in Cameroon and in Chad. Et tous constituent l'église du Seigneur. And all of them constitute the church of the Lord. Et en tant que église du Seigneur, and as the church of the Lord, il y a de l'ordre qui doit régner. There is order that has to reign. Pour que nous soyons mieux stables dans notre foi. For us to be more stabilized in our faith. Et mieux accomplir notre mission. And well accomplish our mission. Alors quand nous revenons dans l'assemblée qui se retrouve dans le désert, so when we come back to the assembly of the world, on peut se poser la question qui était le maître ou encore qui était le chef de cette assemblée. We can ask the question who was the leader of that assembly. Le chef de cette assemblée c'était Dieu lui-même. The leader of that assembly was God himself. Parce qu'on peut le lire dans Nombre chapitre 12, versets 5 à 7. We can see that in Numbers 12, verse 5 to 7. Et là, c'est Dieu qui converse avec
Aaron, Marie et Moïse. God is talking with Aaron, Mary and Moses. Et la Bible dit. And the Bible says. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous deux et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Donc, bien aimé dans le Seigneur, so beloved in the Lord, dans l'assemblée qui se retrouvait dans le désert, in the assembly of the wilderness, on se rend compte que tous ceux qui étaient là-bas we realize that all those that were there étaient considérés comme des serviteurs. Were there as servants. Et Dieu pouvait leur donner des ordres. And God could give them others. Et ils fonctionnaient selon les ordres que Dieu donnait. And they were functioning according to God's orders. Parce que même Moïse qui dirigeait l'assemblée qui se retrouvait dans le désert, because even Moses that was leading the assembly in the wilderness, lui-même c'était un serviteur. He himself was a servant. C'est ça que la Bible dit dans Hébreux chapitre 3 verset 5. That's why the Bible says in Hebrews 3 verse 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Donc Moïse était serviteur. So Moses was a servant. Et c'était Dieu qui était le chef de cette assemblée. And God was the head of that assembly. C'est Dieu qui était le maître de cette assemblée. God was the master of that assembly. De la même façon que dans l'église, the same way that in the church, c'est Dieu ou encore Christ, Christ qui est le chef de l'église. Is the head of the church. Et la Bible peut nous dire dans Éphésiens chapitre 1 verset 22. And the Bible can say in Ephesians 1 verse 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. Donc, on peut se rendre compte que so we can realize that l'église dans laquelle nous nous retrouvons, the church in which we are, l'assemblée des sauvés, the assembly of the saved, de ceux-là qui sont sauvés, of those who are saved, leur chef c'est Christ lui-même. Their head is Jesus himself. Et dans la version Parole Vivante que j'aime particulièrement, in the New Living Version, il dit absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'église qui est son corps. Donc, bien aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, l'église a pour chef Christ. The church has as head Christ. Et tout ce qui est dans le visible et dans l'invisible, and all what that is in the visible and invisible, est sous l'autorité de Christ. It's under Christ's authority. Donc, dans l'église, so in the church, c'est Christ qui est l'autorité. Christ is the authority. C'est lui qui est le chef. He is the leader. Et il est important de le comprendre. And it's very important to understand. Et that ceux qui y sont, and those who are in, sont des serviteurs. Are the servants. Il faut bien que nous le comprenions. So we have to understand it well. Quand nous parlons également de l'église, when we equally talk about the church, il est important que nous comprenions que l'église est une unité, est une entité unie et bien coordonnée. We have to understand that the church is a united entity and well coordinated. C'est une entité coordonnée et unie par le Seigneur lui-même. It is an entity coordinated and united by the Lord himself. Éphésiens chapitre 4 verset 1 à 3 peut nous dire ceci. Ephesians 4 verse 1 to 3 says, en considération de tout ce que Dieu a fait pour nous, permettez-moi donc, en tant que prisonnier du Seigneur, de vous adresser d'instances de commandation. Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux et patient, en particulier dans vos rapports mutuels. Portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. Donc, on peut se rendre compte au verset 3, so we can realize in verse 3 où Paul parle de l'unité, where
talks about unity. Qu'a créé le Saint-Esprit. Created by the Holy Spirit. Et il demande à ceux qui constituent l'Église de conserver cette unité. To keep that unity. Parce que l'Église est une entité unie. Because the church is a united entity. Or, on ne peut pas conserver quelque chose qui n'existe pas. But we cannot keep something that doesn't on conserve exist. Quelque chose qui est là. We keep something that exists. Donc l'Église est unie. So the church is united. L'Église est bien coordonnée. The church is well coordinated. Parce que le chef lui-même because the head himself a fait une demande à Dieu made a request to God pour cette unité. For that unity. Or, nous savons que but we know that Jésus disait toujours Jesus used to say que Dieu l'a toujours exaucé. That God has always exaucé. Donc même dans la prière qu'il a faite pour l'unité de l'Église, even the prayer he made for the unity of the church, Dieu l'a exaucé. God exhausted. C'est pour ça que tous ceux qui sont dans l'Église, God answered. That's why all the Dieu sera sûr qu'ils aient le même esprit. God ensured himself that all of them have the same spirit. C'est le fait qu'ils ont le même esprit. It's the fact that they have the same spirit. C'est ça qui fait en sorte qu'ils soient unis. That is what makes them to be united. Parce que c'est une unité qui est créée par l'Esprit. Because it is a unity created by the Spirit himself. Or, nous tous nous avons été baptisés dans un seul et même esprit. All of us have been baptized in the same and only one spirit. Permettez-moi de lire Jean 17, verset 21 à 23. Please permit me to read John 17 from 21 to 23. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc ça c'est une prière que le Seigneur a eu à lever. So this is a prayer the Lord raised. Et c'est une prière qui a été exaucée. And it is a prayer which was answered. Donc l'Église dont nous parlons. So the church we're talking about. Elle est unie. Is united. Non seulement elle est unie. Not only that is united. Mais elle est bien coordonnée. But it is well coordinated. Et on peut voir Éphésiens chapitre 2. We can see Ephesians, Ephesians chapter 2. Verset 21. Verse 21. Que nous allons lire dans deux versions différentes. That we're going to read into different versions. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Parole vivante, c'est en lui que toute la construction s'élève harmonieusement, chaque pierre s'adaptant parfaitement à ses voisines, afin d'être un vrai temple consacré au Seigneur. Ephésiens chapitre 2, verset 21. He is the one who holds the world building together and makes it grow into a sacred temple dedicated to the Lord. Donc, l'Église est une entité bien coordonnée. So the church is a well-coordinated entity. Parce que les pierres dont nous parlons, dont la Bible parle ici, because the stones the Bible talks here about, c'est ceux-là que Dieu a sauvés, are those that God has saved, et il les a mis dans l'Église. And he ordered them to the church. Et chaque pierre so each stone s'adapte parfaitement à sa voisine. Adapt perfectly to its neighbor. Afin que l'édifice soit bien coordonné. So that the building should be well coordinated. Et que ça soit un vrai temple consacré au Seigneur. And that it should be a real temple consecrated to the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est illusoire de penser que l'Église n'est pas coordonnée. So it is an illusion to think that the church is not coordinated. Dieu veille à ce que l'Église soit bien coordonnée. God pay heed so that the church should be well coordinated. Parce que en fait, lorsque une maison est mal construite, wrongly built, il y a de fortes probabilités qu'elle ne tienne pas. So there are a lot of probabilities that it falls. Lorsque les parpaings ne sont pas bien alignés, when all the blocks are not well placed, le mur sera forcément incliné. So the wall will be inclinated. Et quand viendra un vent impétueux, so when a wind will come, ce mur finira par tomber. That wall will end up falling.
Le Seigneur avait à ce que l'église soit bien coordonnée. So the Lord paid heed for the church to be well coordinated. Soit très bien édifiée. Well edified. Afin que rien ne vienne porter préjudice à cette église. So that nothing should come and disturb the church. C'est pour ça qu'il pouvait nous dire. That's why he could say. Dans Matthieu chapitre 16 verset 18. In Matthew 16 verse 18. Que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. That the gates of hell will not prevail against the church. Parce qu'il a veillé à ce que l'édifice soit bien coordonné. Because he paid heed for the building to be well coordinated. Et dans Éphésiens chapitre 4 verset 16. And in Ephesians 4 verse 16. La Bible dit c'est de lui. The Bible says it's from him. Grâce à tous les liens de son assistance. Thanks to all his assistance. Que tout le corps. That all the body. Bien coordonné. Well coordinated. Et formant un solide assemblage. Forming a solid gathering. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Under his control, all the different parts of the body fit together, and the whole body is held together by every joint which is provided. So when each separate part works as it should, the whole body grows. Oh, tout ce travail, c'est le chef qui le fait. And all this work is being done by the head. L'église forme un solide assemblage. The church forms a solid assembly. L'église est bien coordonnée. The church is well coordinated. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que dans l'église, on ne peut pas parler d'anarchie. That's why in the church we cannot talk about the disorder. L'église ne saurait fonctionner dans l'anarchie. The church cannot form in disorder. L'église ne saurait fonctionner dans le désordre. The church cannot work in disorder. Parce que celui qui est le bâtisseur de cette église. Because the builder of that church. S'est rassuré que l'église soit bien coordonnée. To ensure himself that the church should be well coordinated. Que les pierres que constitue cette église. That the stones that constructed that church. Que chaque pierre soit parfaitement adaptée à sa voisine. That each stone should be well coordinated with his neighbor. Et il est important pour nous de le comprendre. And it is important for us to understand that. L'église dont nous parlons. So the church we talk about. Est également l'épouse de Christ. It's equally Christ's spouse. Éphésiens chapitre 5 verset 24. Ephesians 5 verse 24. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ici, la Bible nous parle de l'église comme étant l'épouse de Christ. So here, the Bible is talking about Christ as the spouse of Christ. Et ce qui caractérise. And what characterizes l'épouse, the bride, c'est la soumission. Is submission. Or, Christ est le chef de l'église. Christ is the head of the l'église church. Est son épouse. The church is his bride. Et l'église est soumise à Christ. And the church is submitted to Christ. Preuve encore que l'église, ou encore preuve encore que Christ est le chef de l'église. And the proof that the Christ is the head of the church. Donc l'église ne peut pas être soumise à un homme. The church cannot be submitted to a man. Parce que ce n'est pas un homme qui est le chef de l'église. Because it's not a man who is the head of the church. Je ne sais pas comment il faut le dire, mais c'est une mauvaise façon pour nous de penser que l'église peut être soumise à un homme. I don't know how to say, but it is wrongly thought to think that the church can be submitted to a man. C'est pour ça que bien aimé dans le Seigneur, Esaïe 55 verset 8 reste d'actualité. That's why Isaiah 55 verse 8 still remains in. Lorsque le Seigneur dit mes pensées ne sont pas vos pensées. When the Lord says for my thoughts are not yours. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme regarde à ce qui frappe. Beloved in the Lord, men look to what attracts. Mais Dieu n'est pas dans ce qui frappe. But God is not into that. Dieu est dans ce qu'il a dit. God is into what he has said. Dieu a dit que l'église est soumise à Christ. God said the church is being submitted to Christ. Et si nous disons que nous voulons fonctionner comme Dieu, and if we say we want to function as God, il est important pour nous d'intégrer ce que Dieu dit. It's very important for us to
to integrate what God has said. Parce que lorsque nous intégrons ce que Dieu dit, because when we integrate what God has said, nous voyons exactement tout ce que Dieu voit. We see exactly what God sees. Ou encore, nous voyons comme Dieu voit. We see the way God sees. L'Église est l'épouse de Christ. The church is the bride of Christ. Et pour cela, l'Église est soumise à Christ. And because of that, the church is submitted to Christ. L'Église est également la maison de Dieu ou encore la famille de Dieu. The church is equally Christ's family, God's family. Ephésiens chapitre 2, verset 19. Ephésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, so beloved in the Lord, nous sommes l'Église, we are the church, et nous constituons la maison de Dieu. And we make up God's house. Donc, l'Église, c'est la maison de Dieu. So the church is God's house. Et quand on parle de maison, and we talk about the house, on fait également référence à la famille. We make reference to a family. Parce que dans l'autre version, because in the other version, la Bible dit, the Bible says, voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des hôtes de passage. That's why you're no longer strangers or passersby. Vous êtes des citoyens à part entière avec tous les autres chrétiens. Vous êtes le peuple même de Dieu, mis à part pour lui. Vous faites partie de sa famille. Ephesians 2:19. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la famille de Dieu. Beloved in the Lord, we are God's family. Parce que la maison dans laquelle nous sommes, c'est Dieu qui l'a bâti. Because the house in which we are was built by God. Et quand nous disons que c'est Dieu qui l'a bâti, and when we say that God built the house, en fait, en filigrane, nous disons que c'est Dieu qui est le maître. In other words, we are saying that God is the master. Et c'est Dieu qui gère cette maison. And it is God who manages the house. Donc, si c'est Dieu qui gère cette maison, if it's God who is managing the house, ça veut dire que les règles de fonctionnement sont fixées par Dieu. It means the rules are fixed by God. C'est pas un homme qui fixe les règles de fonctionnement. They are not made by man. C'est Dieu qui fixe les règles de fonctionnement. God who fixes it, they makes the rules of the house. Et dans sa maison, and in his house, c'est Dieu qui gouverne. It's God who governs. De la même façon que in the same manner, dans l'assemblée du désert, qui était au désert, which was in the desert, c'est Dieu qui gouvernait. It was God who was governing. Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, qu'est-ce que nous entendons par gouverner? What do we understand by governing? Parce que la plupart des temps, on a l'impression que on voit les hommes qui gouvernent dans la maison de Dieu. Because sometimes we have the feeling that men are governing the house of God. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très mal voir. Beloved in the Lord is poorly seen. Parce qu'un homme ne peut pas gouverner dans la maison de Dieu. Because no man can govern in God's house. Tu ne peux pas venir gouverner dans une maison que j'ai construite. You cannot come and govern in a house I built. Amen. Amen. Alors, que veut dire gouverner? What does it mean to govern? Sur le plan politique, on the political plan, c'est diriger, is to lead, politiquement un état, politically un territoire, a territory, ou une communauté, or a community, c'est exercer un pouvoir absolu. To exercise absolute power. Donc Dieu exerce un pouvoir absolu dans sa maison. So God exercises absolute power in his house. Et dans cette maison, and in this house, il agit comme il veut. He acts the way he wants. Personne ne lui dit comment il doit faire. No one tells him what to do. En fait même, in fact, personne n'a été avec Dieu lorsqu'il construisait l'église. No one was with God when he was building. Vous dites qu'ils se sont associés, or to say they were associates. Et ils se sont entendus avec Dieu sur les règles de fonctionnement de sa maison. And they agreed on the rules of how the house was going to function. Non. No. Dieu agit en souverain. God acts as a sovereign. Et souverain. As a sovereign. Quand on parle de souverain, when we talk about a sovereign, en fait, c'est l'autorité suprême. It's the highest authority. C'est l'autorité sans partage. It's authority that is not shared. Donc Dieu ne partage pas sa gestion. Dieu ne partage pas son autorité dans l'église. God doesn't share his authority in the church. Il est souverain. He is sovereign. Il agit comme il veut. He acts the way he wants. Il décide comme il veut. He decides the way he wants. C'est lui qui sait comment les choses doivent être placées dans sa maison. He's the one who knows how things are set up in his house. Et personne ne vient lui dire le contraire. And no one tells him the contrary. Alors dans l'assemblée qui était dans le désert, the assembly that was in the desert, lui-même habitait au milieu de cette assemblée. He resided in the midst of that assembly. Afin de mieux gérer cette in assemblée. In order to manage it well. Parce que pour mieux gérer une entreprise,
to manage an enterprise better, dans le cadre de l'entreprise, in the sense of an enterprise, il faudrait que toi-même tu y sois. You need to be there yourself. Parce que tu ne peux pas être hors de l'entreprise et dire que tu gères l'entreprise. Because you cannot be out of the enterprise and you say you manage. Un manager qui est hors de son entreprise ne pourra rien gérer. A manager that is out of his enterprise cannot manage anything. Other people will manage for him. Or Dieu s'est rassuré que il soit dans l'assemblée que lui-même a constituée. But God made sure he was in the assembly he built himself. Or dans le désert, but in the desert, c'est lui qui a constitué cette assemblée. He was the one who built, made up the assembly. Et ayant constitué cette assemblée, having made up the assembly, il a veillé à y habiter. He watched over it and he resided. Exode 29, verset 45 à 46. Verse 45 to 46. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Combien les met dans le Seigneur? So beloved in the Lord. On a souvent l'habitude de dire, et c'est vrai, habit of staying, which et c'est écrit, and it's written, Dieu est le même. God is the same. Hier, yesterday, aujourd'hui, today, éternellement. Eternally. Dans l'assemblée qu'il a construite dans le désert, in the assembly he built in the desert, Dieu a veillé à y habiter. God watched and resided in the midst. Dans l'église, in the church, Dieu lui-même habite. God resides. Amen. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 1 verset 23. Ephesians chapter 1 verse 23. L'église est le corps de Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Lui en qui Dieu habite totalement. Dieu le met dans le Seigneur. Dans l'église, qui est la maison de Dieu, Dieu n'est pas dehors. Il est totalement dans sa maison. Et on peut également voir cette vision de Jean. We can equally see this vision of John. Quand Jean a la vision, when John had the vision, dans Apocalypse chapitre 1 verset 12 à 13, in Revelation chapter 1 verse 12 to 13, où la Bible dit, where the Bible says, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parle. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Vous savez, you know, lorsque Étienne, when Stephen, a vu le Seigneur, saw the Lord, il était assis au ciel. He was seated in heaven. Amen. Amen. Il était debout sur le trône. He was standing by the throne. Mais quand Jean voit le Seigneur, when John sees the Lord, il voit le Seigneur au milieu des sept chandeliers. He sees the Lord in the midst of the seven lampstands. En fait, Jean voit le Seigneur au milieu de son église. In fact, John sees the Lord in the midst of his church. Et ceci nous donne encore la confirmation que, and this confirms the Dieu habite dans son église. God resides in his church. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Nous avons dit au préalable, we sir, en fait en prélude, at the beginning, que Dieu, that God, quand nous parlons de l'église, when we talk about the church, sur le plan général, on the general realm, elle regroupe tous ceux qui sont sauvés, it makes up all those who are saved, depuis la Pentecôte, from the Pentecost, jusqu'à la venue du Seigneur, till the coming of the Lord. Mais l'église peut aussi se retrouver dans une localité. But the church can equally find itself in a locality. Et dans cette localité, in this locality, il y a ceux que Dieu a sauvés. You have those God has saved. Et les gens qui sont dans cette localité constituent l'église du Seigneur. And those who are in this locality make up the church of the Lord. Et le Seigneur est présent. And the Lord is present. Donc, si nous parlons de l'église en Afrique, so if we are talking about the church le in Seigneur Africa, habite dans l'église qui se retrouve en Afrique. The Lord resides the church that is si nous parlons de l'église au Cameroun, if we are talking about the church in le Cameroun, Seigneur habite dans l'église the Lord qui se retrouve resides au Cameroun. In the church that is in Cameroun. Si nous sommes au Tchad, if we are in Tchad, au Bénin, in Benin, au Togo, or in Togo, le Seigneur habite dans cette église. The Lord resides in this church. Si nous sommes éparpillés dans la diaspora, if we are scattered in the diaspora, comme on a dit, c'est l'église de la diaspora, like we say, it's the church of the le diaspora, Seigneur y est. The Lord is there. Amen. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, so beloved in the Lord, puisque nous avons vu que celui qui habite dans l'église, so since we said the one who lives in the church, celui qui a construit cette église, he who built the church,
C'est Dieu lui-même. It's God himself. Et il agit en souverain. And he acts as a sovereign. Et il faudrait que nous sachions qu'en dehors de lui dans l'église, and we need to know that without him in the church, il n'y a personne. There is no other person. Isaïe 45, verset 5. Isaiah 45, verse 5. Moi, je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Non, en dehors de moi, il n'y en a point de Dieu. Je t'ai doté de force sans que tu me connaisses. Afin que du soleil levant jusqu'au soleil couchant, tout homme sache que tout, sauf moi, n'est que néant, que je suis l'Éternel et qu'il n'y en a aucun autre. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole n'est pas limitée. This word is not limited. Elle s'étend jusque dans l'église. It extends right up to the church. Dieu est présent dans l'église. God is present in the church. Et en dehors de lui, and without him, il n'y a personne d'autre. There is no other. C'est lui qui gère son église. He alone manages his church. Et c'est pour cela que, and that's why, dans cette église, in this church, dans cette maison, in this house, c'est lui qui fait des annonces. He is the one who makes announcements. Personne. No, ne planifie quelque chose dans cette église. No other person plans anything in this church. Esaïe 46, verset 10. Isaiah 46, dès le commencement, j'annonce l'avenir. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis, et mon dessein s'accomplit. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, quelqu'un ne peut pas construire sa maison. No one can build his house. Et c'est quelqu'un d'autre qui vient faire des projets dans cette maison. And it's another person who carries out projects in this house. C'est pratiquement impossible. It is practically impossible. Dieu dit qu'il annonce l'avenir. God says he announces longtemps the future, à l'avance. Far before. Il dit dans l'église. And he says to the church. C'est lui qui dit. He is the one who says. C'est son dessein qui s'accomplit. It is his will that is accomplished. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que tout ce que tu peux voir dans l'église, that's why it's important to understand that everything you see in the church, c'est le dessein du Seigneur qui s'accomplit. Is the Lord's will that is being accomplished. Donc, cette compréhension va nous permettre de ne plus voir les hommes comme étant les suprêmes de l'église de Dieu. This understanding will make us see not to see men as being supreme. C'est Dieu qui est le chef de son église. God is the head of his church. C'est pour ça qu'il est dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 13. That's why it says in Ecclésiaste. Regardez l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que l'église est l'œuvre de Dieu? Is the church the work of the Lord? Est-ce qu'un homme peut venir redresser l'œuvre de Dieu? Can someone make upright the church of the Lord? Il dit qui pourra redresser? He says who can make upright what he has bent? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une illusion. Beloved in the Lord, it's an illusion. De croire que on peut arranger des choses dans l'église du Seigneur. To believe that we can fix up things in the church of the Lord. C'est l'orientation qu'il a donnée. The orientation that is given. C'est l'orientation là qui va rester. Is the orientation that has to stay. Et pour que nous n'ayons pas de problème. So that we may not have problems. Il est important pour nous de nous pencher sur ce que Dieu a orienté. It is important for us to stay on the orientation of the Lord. Job chapitre 23 verset 13. Job chapter 23 verset 13. Mais lui, il est unique qui le fera changer. Tout ce qu'il et tout ce qu'il désire, il l'exécute. Amen. Amen. La Bible dit que personne ne peut le faire changer. The Bible says that no one can make him change. Ce qu'il désire, il fait comment? What he desires, il l'exécute. He executes. Donc, Dieu a bien voulu que l'ordre règne dans l'église. God has always wanted order to be in the church. Qui pourra changer cela? Who can change that? Personne. No one. Esaïe 14 verset 27. Esaïe 14 verset 27. Quand le Seigneur de l'univers a pris une décision, qui peut l'arrêter? Quand il lève son poing menaçant, qui peut le détourner? Quand Dieu prend une décision dans sa maison, when God takes a decision in his house, qui peut aller à l'encontre de cette décision? Who can go against this decision? Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, comprenons-le une fois pour toutes. Let us understand it once and for all. Dans tous les cas, que le Seigneur vous aide et qu'il nous fasse grâce. In every case, may the Lord grant us the grace. L'église, c'est la maison de Dieu. The church is the house of the Lord. L'église, c'est Dieu qui
bâtit l'église. It is God who builds the church. Et dans cette église, and in this church, c'est lui qui prend les décisions. He is the one who takes decisions. Et chaque décision qu'il prend, and every decision he takes, personne ne peut arrêter cela. No one can stop it. Ça, il faudrait que nous puissions le comprendre. This we need to understand. C'est très important. It's very important. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, so beloved in the Lord, ce que Dieu a donc sauvé et a mis dans l'église, those God has saved and put in the church, ce sont des serviteurs. They are servants. À qui Dieu a accordé une mission. To whom God has given a mission. Nous tous qui nous retrouvons dans l'église, all of us who are found in the church, nous nous retrouvons là comme étant non seulement des serviteurs, we are not just there as servants, des enfants, or children, et toutes les déclinaisons que nous pouvons prendre. And every title we can take. Mais nous ne sommes pas les chefs de l'église. But we are not the heads of the church. Alors, nous sommes dans l'église, we are in the church, avec une mission. With a mission. Et nous pouvons voir dans Actes chapitre 26, verset 17 à 18. And we can see in Acts 26, verse 17 to 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. Donc ça c'est notre mission. So this is our mission. Étant dans l'église. While in the church. Et c'est Dieu lui-même qui a bien voulu nous confier cette mission. And it is God himself who wanted to confide. Nous n'avons pas décidé. We did not decide. De faire cette mission. To carry out this mission. C'est Dieu qui nous l'a confié. God who confided it. Et lorsqu'il nous confie cette mission. And when he confides this mission to us. C'est parce que lui-même dans son fond intérieur. It's because deep within him. Il nous a jugé dignes de cette mission. He judged us worthy of this mission. C'est pour ça que 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 peut nous dire ceci. Mais selon que Dieu nous a jugé dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde de nos cœurs. Frère, brother, c'est Dieu qui nous a jugé dignes. It is God who judged us worthy de nous confier l'évangile. To confide the gospel to us. Et lorsque nous comprenons ça, and when we understand this, on peut davantage rendre grâce à Dieu. We can give thanks to God. Et comprendre que en fait, and understand that in fact, c'est réellement lui qui gère l'église. It is really him who manages the church. Parce que la Bible définit l'évangile comme étant la puissance de Dieu. Because the Bible defines the gospel as the power of God. Pour le salut de quiconque. For the salvation of whoever believes. Donc, lorsque elle nous dit que Dieu nous a jugé dignes de nous confier l'évangile, when the gospel says God judged us worthy to handle the gospel. En quelque sorte, Dieu nous a jugé dignes de porter sa puissance. In other words, God judged us worthy to carry out his power. Parce que nous portons la puissance de Dieu. Because we carry the power of God. Qui est l'évangile? Which is the gospel. C'est une grâce. It's grace. Lui qui dit que dans l'église, he who is saying that in the church, lui, without him, il n'y a rien. There's nothing. Nous-mêmes, nous sommes rien. Means we are nothing. Mais il nous fait cette grâce. He grants us his grace. Il nous confie sa puissance. To confide his power to us. Et ceci peut nous amener à nous rendre orgueilleux. And this can make us proud. Pensant que comme nous détenons la puissance de Dieu, thinking that since we carry the comme gospel, nous détenons l'évangile, since we have the gospel, c'est nous qui décidons dans l'église. We are the ones deciding the church. Nous pouvons faire comme nous voulons. We can do as we want. Alors bien aimé dans le Seigneur, ça serait de devenir l'anarchie. Beloved in the Lord, it's not anarchy. Parce que cette puissance que nous avons, because this power we have, cet évangile que nous avons, this gospel we have, dont Dieu nous a jugé digne de porter, and God trust us worthy to carry, nous les exerçons étant dans sa maison. We exercise it while in his house. Et ayant cette puissance, and having this power, Dieu savait que s'il ne fixe pas les règles, God knew that if he didn't chacun stop d'entre rules, nous pouvait agir comme il pense each et comme of us il veut. Could just do what he wants. C'est pour ça qu'il s'est rassuré que bien que nous ayons donné cette puissance, that's why he made sure that bien que nous ayons confié l'évangile, even though he has confided the gospel to us, il a fixé les règles de conduite dans sa maison. He set up rules in his house. Ou encore dans l'église. Or in the church. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15. 1 Timothy 3 verse 15. Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité.
Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Dieu est un sage architecte. God is a wise architect. Imaginez-vous dans un pays. Imagine in a country où il n'y a pas de loi, il y a aucune loi fondamentale. Where there is no fundamental rule. Il n'y a pas de règle. There is no rule. Et chaque citoyen de ce pays and every citizen of this country devient président. Becomes a president. Ou alors a un pouvoir. Or has a power. Mais il n'y a pas de règle d'exercice. But there is no rule of exercise de ce pouvoir. Of this power. Bien-aimé dans le Seigneur, que sera ce pays? Beloved in the Lord, what will this country look like? Ce sera le désordre total. Will be total disorder. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Dieu ayant vu ça. God having seen this. C'est vrai que je n'étais pas dans son conseil. It is true that I was not in his mais counsel. Mais au travers des Écritures. But through the scriptures. On peut voir la sagesse infiniment variée de Dieu. We can see the infinite wisdom qui of God. Qui fixe les règles de conduite dans sa maison. Who set up rules in his house. Bien que nous ayant confié sa puissance. Even though he has confided his power to us. Ça veut dire que nous ayant la puissance de Dieu, means we having the power of God, nous ne l'exerçons pas comme nous voulons. We don't exercise it the way we want. Nous ne l'exerçons pas comme nous pensons. We don't exercise it the way we think. En fait, c'est lui-même qui veille sur comment nous devons l'exercer. In fact, he watches over how we exercise his power. C'est pour ça que bien-aimé dans le Seigneur. That's why we love the Lord. Dieu étant le maître de sa maison, God being the il agit par house, son esprit. He acts by his en utilisant des hommes pour bâtir son œuvre. Using men to build up his church. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Nous avons dit tout à l'heure. We said a while ago. Que Dieu est le chef de l'Église. That God is the head of. Et tous ceux qui sont dans l'Église. And all those who are in the church. Sont des serviteurs. Are servants. Et c'est effectivement vrai. And it is really true. Mais bien qu'ils soient des serviteurs. Even though they are servants. Dieu utilise chaque homme. God uses every man. Pour bâtir son œuvre. To build his work. Parce qu'il n'a pas laissé les hommes aller vous débrouiller. Because he did not ask God men to go and try. Faites comme vous pensez. Do the way you think. Je vous ai déjà donné l'évangile. I already given you the gospel. Je vous ai déjà donné la puissance. I've already given you the power. Vous-même allez réfléchir comment vous allez exercer cela. Go and think how you carry it out. Non. No. C'est ça que Dieu s'est rassuré qu'avant de partir. That's why God made sure that before leaving, il nous laisse le Saint-Esprit. He leave the Holy Spirit with us. Pour que tout ce que nous allons accomplir, so that everything we accomplish, tout soit agi, alors tout soit accompli par le Saint-Esprit. Everything be carried out by the Holy Spirit. Et nous pouvons voir cela dans Zacharie chapitre 4 verset 6 à 9. Zacharie chapitre 4 verset 6 to 9. La Bible dit, alors l'Esprit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. C'est Dieu qui a choisi Zorobabel. It is God who chose Zorobabel. Pour bâtir sa maison. To build his house. Et Dieu va veiller à Dieu veille et il dit à Zorobabel. And God watches and he tells bien que je t'ai choisi. Even though I chose you. Mais ce qui va se faire. But what is going to be done? Ça ne va pas se faire ni par la puissance. It's not going to be done by ni power, par la force. Or by force. Mais ça va se faire par mon esprit. But it will be done by my spirit. Amen. Amen. Pour dire quoi? What does it mean? Pour dire que tous ceux que Dieu choisit all those à son service et nous tous qui sommes dans l'église, nous sommes au service du Seigneur. And all of us who are in the church are the service of the Lord. C'est par son esprit que nous faisons ce service. It is by his spirit that we carry out this service. Or Zorobabel est celui-là que Dieu a choisi. But Zorobabel is that person that God has chosen pour bâtir sa maison. To build his house. Pour dire quoi? What does it mean? Pour dire que Dieu a toujours utilisé les hommes. That God has always chosen men pour bâtir son œuvre. To build his work. Et le Seigneur dit, and the Lord says, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. The hands of Zorobabel has made up this house. Et ses mains l'achèveront. And his hands are going to. C'est pas Zorobabel qui a décidé de bâtir la maison. It is not Zorobabel who decided to mais build the house. Mais c'est Dieu qui a dit que Zorobabel va bâtir la maison. God was asking him to build the house. Vous dites quoi? What does it mean? Dieu est le chef. God is the head. Et c'est lui qui choisit quelqu'un and he is the one who pour mener son œuvre. To carry out his work. Amen. Amen. Ça veut dire que pour que l'œuvre de bâtir,
en fait, pour que l'œuvre de construction de la maison soit faite, il fallait que tout le monde se fasse ce que Zorobabel dit. Everyone needed to do what Zorobabel told. Parce que c'est Zorobabel, c'est à Zorobabel que Dieu a confié. Because it is to Zorobabel that God confided la charge de fonder la maison. The building of the house. Et lui-même il a dit à Zorobabel. And he watches and he tells Zorobabel. Malgré que bien que je t'ai donné, despite the fact that I gave la responsabilité de bâtir la maison. Of building the house. Mais cela ne se fera pas par ta force. But it will not be done by your strength. Cela ne se fera pas par ta puissance. It's not going to be done by your Mais power. Cela se fera par l'esprit. It's going to be done by my spirit. Vous dites quoi, bien-aimé dans le What Seigneur? Does it mean, beloved to the Lord? Nous sommes dans l'église du Seigneur. We are in the church of the Lord. Tout se fait par l'esprit. And everything is done by the spirit. Tout se fait par l'esprit. Et si ça se fait par l'esprit, ça veut dire que ça se fait par Dieu lui-même. It means it is done by God Mais himself. Dieu veille à ce que But God watches l'homme qu'il a choisi. That man he has chosen, il fait cette œuvre. He does this work. Amen. Amen. C'est ça que bien aimé dans le Seigneur. That's why beloved in the Lord. Rien ne peut se faire dans l'anarchie là où Dieu se trouve. Nothing can be done in anarchy Rien where God is found. Rien ne peut se faire dans le désordre là où Dieu se trouve. Nothing can be done in disorder where God is found. Et Dieu veille à ce que l'ordre y soit. And God watches for that order reigns. Zorobabel n'était pas le seul Israélite. Zerubbabel was not the only Israelite. Tous étaient des enfants de Dieu. They were all children of God. Mais Zerubbabel, étant aussi enfant de Dieu, being a child of God, a eu la charge, had the responsibility de pouvoir bâtir cette maison. To build this house. Parce que Dieu ne peut pas prendre plusieurs personnes. Because God cannot take many people. Et leur confier des charges égales. And confide equal responsibility to them. Parce que s'ils ont des charges égales, because if they have equal responsibility, ça va devenir l'anarchie. It's going to be anarchy. Ça va devenir le désordre. Become disorder. Il confie des charges, he confides responsibility à certaines personnes, to certain people, et ces personnes à qui il confie des charges, and these people to whom he confides, ont la charge également de confier des charges à d'autres personnes. Have the responsibility to confide afin que l'œuvre qui leur a été confiée puisse être mené à bon port. So that the work will be done. C'est ça que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. 1 Corinthiens 14 verset 3. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Car Dieu n'aime pas le désordre. C'est un Dieu d'harmonie et de paix. Et il se manifeste comme tel dans toutes les assemblées de ceux qui lui ont consacré leur vie. Nous avons vu que l'assemblée, c'est tous ceux-là qui sont sauvés. We saw that the assembly is all those who are saved. Et la Bible nous dit que Dieu n'aime pas le désordre. And the Bible tells us that God doesn't want disorder. Dieu aime plutôt l'harmonie et la paix. God loves harmony and peace. Parce que bien aimé dans le Seigneur, loved the Lord. Rien ne peut se bâtir dans le désordre. Nothing can be built in disorder. Rien ne peut se bâtir. Nothing can be built lorsqu'il n'y a pas la paix. When there is no peace. En fait, c'est l'harmonie et la paix. It's in fact it's harmony and peace qui font en sorte que that make une œuvre soit bien bâtie. That work we done well. Or dans l'église du Seigneur, in the church of the Lord, Dieu est à l'œuvre. God is at work. Et étant à l'œuvre, and being at work, il veille à ce que tout soit fait dans l'harmonie et la paix. And he watches that, makes sure that everything is done in harmony and peace. Or, en veillant à ce que tout soit fait dans l'harmonie et la paix, making sure that everything is done in harmony and peace. Dieu utilise les hommes. God uses men. Dieu utilise les hommes. God uses men. Et ces hommes-là, and these men, Dieu les confie des charges. God confides responsibility to them. Et en les confiant des charges, by confiding this il veille à ce que ces charges soient respectées. He makes sure that these responsibilities are respected. Il ne peut pas faire en sorte que he cannot make it in such a way that il t'a confié une charge X. He confides you a certain la même charge X, il confie ça à une autre personne. And the same responsibility he confides to another person. Finalement, finally, il y aura comme un chevauchement. It's going to be a clash. Et il y aura plus harmonie. And there will be no harmony. Dans l'assemblée du désert, in the assembly of the desert, c'est Dieu qui était le chef. God was the head. Et en tant que chef, and as a head,
Il a choisi des hommes pour travailler. He chose men to work. Et parmi les hommes qu'il a choisi pour travailler, among the men he chose to work, il y avait Moïse. He had Moses. Il y avait Aaron. He had Aaron. Ainsi de suite. And so on. Mais quand on regarde, that when we look, la charge d'Aaron the responsibility n'était of Aaron pas la même charge que celle de Moïse. The same like that of Moses. Parce que imaginons-nous. Imagine. Comme Moïse, that Moses, Aaron et Moïse avaient la même charge. That Moses and Aaron bon, mais finalement, on n'allait plus savoir qui était le souverain sacré, qui était chargé de faire les sacrifices, qui devait aller prendre les instructions de Dieu et venir donner au peuple. On n'allait plus savoir. Il ne devait plus avoir harmonie. Il devait avoir du désordre. We are going to have disorder. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. But God is a God of order. Il a confié une charge. He confided the responsibility à Moïse. To Moses. Cette charge était différente de la charge que this responsibility was different from that of Aaron. Et là, on pouvait voir comment l'harmonie. And we could see how harmony was done. Et Moïse pouvait prendre les instructions. Moses could take instructions, venir les confier confide, et Aaron se conformer à ses instructions. And Aaron would bend to this. C'est pas que bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. En ce qui concerne l'ordre dans l'église. Concerning order in the church. L'observation des recommandations. Observation and recommendations. Est un élément essentiel pour la conservation de l'ordre dans l'église. A very important element for conservation of order in the church. Parce que si on ne respecte pas les recommandations. Because if we don't respect recommendations. Si on ne se conforme pas aux recommandations. If we are not bent to recommendations. Il y aura du désordre. There will be disorder. Or quand on parle de recommandations. And when we talk about recommendations. Ça veut dire quoi? What does it mean? Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu suscite. It means we have people God raised. À qui il a confié un certain nombre de charges. To whom he confides a certain number of responsibilities. Et ils ont pour devoir. And they have as duty. D'apporter des recommandations, to carry out recommendations, de donner des instructions, to give instructions, et il y a ceux qui sont chargés de les observer. I have those who are supposed to carry out these instructions. J'assimile un peu l'église comme une entreprise. I liken the church to an enterprise. Dans une entreprise, il n'y a pas plusieurs donneurs d'ordre. In an enterprise, you don't have many people giving orders. Dans une entreprise, in an enterprise, il y a les donneurs d'ordre. You have those who give orders. Il y a ceux qui doivent exécuter les ordres. I have those who carry out the orders. Et c'est ça qui fait la beauté de l'entreprise. And this is what makes the beauty. C'est ça qui fait la croissance de l'entreprise. And that's what makes the enterprise. C'est ça qui fait le progrès de l'entreprise. And that's what makes the enterprise progress. Si tout le monde donne des ordres, if everyone gives order, il y aura pas obéissance. There will be no obedience. Il y aura pas, ça dit perte, ça dit chacun est chef. Everyone is the head. Et il y aura pas harmonie. And there will be no harmony. Et cette entreprise est vouée à disparaître. And this enterprise is called to disappear. C'est comme l'une des choses. That's why one of the things. Qui permet de conserver l'ordre, which permits order to reign, c'est le respect des recommandations. Is the respect of the recommendations. Parce que le Seigneur dit dans 1 Samuel chapitre 15 verset 19. 1 Samuel 15 verset 19. Et 1 Samuel 15 verset 22. And 1 Samuel 15 22. Alors pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur le butin? Samuel lui dit alors. Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. La soumission. Submission. Dieu attend qu'il y ait de la soumission. God expects submission. C'est fait qu'il a pris la peine de nous montrer l'image de l'Église comme épouse. That's why he took the pains to present the church as his spouse. Et ce qui caractérise cela, and what makes up, c'est la soumission de l'Église à Christ. Is the submission of the church to Christ. Donc, on peut faire beaucoup de choses. We can do many things. On peut même être un maillon essentiel dans l'église. We can be a very important element. Faire beaucoup de sacrifices. Do many sacrifices. Mais si nous ne sommes pas soumis aux ordres que Dieu donne, and if we are not submitted to orders that God gives, on ne fait pas plaisir à Dieu. We don't please God. On est dans le désordre. We are in disorder. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Dieu n'a jamais fonctionné de façon, si je peux le dire ainsi, de façon aléatoire. God has never functioned in this. C'est-à-dire, meaning, les hommes sont assis, people are seated, et ils entendent une voix, and they hear a voice, venant
de je ne sais où. Coming from where? Leur donnant une instruction. Giving them instructions. Non. No. Parce que même dans l'assemblée qui se trouvait dans le because désert. Because even the assembly of the desert. Les instructions. Instructions. Dieu passait par un homme. God passed through a man. Pour donner les instructions au peuple. To give instructions to the et people. Dieu n'a pas changé. God c'est la même chose aujourd'hui. The same thing to Dieu be. Passe par des hommes. God passes Dieu passe par un homme. God passes pour donner les instructions. To give instructions. Et les instructions données par cet homme. And the instructions given by this man. Les autres hommes qui reçoivent l'instruction the other men who receive the instructions doivent se soumettre à ces instructions. Have to be submitted to this or, s'il n'y a pas soumission, if there is no submission, il y a désobéissance. There's disobedience. Il y a résistance. There's resistance. Et lorsqu'il y a résistance, when there is resistance, il y a affrontement. There is a et quand il y a affrontement, when there is a clash, il y a guerre. There et quand il y a guerre, and when there is war, c'est l'anarchie totale. It's total anarchy. Et on ne peut pas être stable dans un pays qui est instable. We cannot be stable in an unstable country. Il est impossible pour nous de vaquer à notre mission. It is impossible to carry out our dans mission un endroit qui est instable. In a place which is unstable. C'est pour ça que l'homme dans l'église. That's why other in the church a pour objectif. It has as objective de nous permettre de être mieux affermis dans la foi. To make us stronger in faith. Et de mieux vaquer à notre mission. And to carry out our mission. Alors, Actes chapitre 16 verset 4. Acts chapter 16 verse 4. La Bible dit. En passant par les villes, ils leur recommandèrent, ils recommandèrent aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Donc, ça c'est l'apôtre Paul. This is Apostle Paul qui passait dans les villes, who was going through towns, et qui donnait les instructions qui ont été données par les anciens which par, were given et by par the les apôtres. And the apostles. Et il recommandait and he was aux frères to brothers de se conformer à ces décisions. To be conformed to these decisions. Bon, je vais lire dans la version Parole Vivante. Dans toutes les villes où il passait, il transmettait et expliquait aux frères les décisions prise par les apôtres et les responsables de Jérusalem en leur demandant de s'y conformer. L'apôtre Paul, so, Apostle Paul demandait aux fidèles, was asking the faithful, il prenait d'abord le temps de leur expliquer. He first took time to explain to them. Or, on ne peut pas expliquer but you cannot explain ce que nous-mêmes ne comprenons pas. What we don't understand. On ne peut pas expliquer we cannot explain ce que nous n'observons pas. What we don't observe. Ça veut dire que l'apôtre Paul lui-même, it means Apostle Paul himself, il observait ses recommandations. Was observing c'est pour ça qu'il pouvait les expliquer. That's why he could explain et demander aux frères de s'y conformer. And ask the brothers to be conformed. Il ne demandait pas aux frères de faire le choix. He was not asking ou alors de the leur dire, vous avez le choix. Or to tell them you have the choice. Dans tous les cas, vous avez le Saint-Esprit. In every case, you have the Holy Spirit. Vous n'avez plus besoin qu'on vous dise quoi que ce soit. You don't need to be told anything. Vous-même, vous allez voir. You are going to see for yourself. Si vous voulez observer, if you want vous observez. To observe, you si observe. Vous ne voulez pas observer, n'observez pas. Observe. Dans tous les cas, in nous, on vous a dit. We already told you, no. Ce n'est pas ça. That's not it. Il les a recommandés. He recommended them. De s'y conformer. To be conformed to the commandment. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Nous allons remonter dès les origines. He went to the origins. Nous allons remonter dès les origines de ces recommandations. We are going to get to the origin of these recommendations. Dans Actes chapitre 15, Acts chapter 15, verse 24. Non. À partir du verset 5. From verse Acts chapter 15, from verse parce 5. Qu'il est d'abord important pour nous de voir qu'est-ce qui a suscité les instructions. Because it is important for us to see what brought about the recommendations. Pourquoi il y a eu des recommandations? Why did we do we have recommendations? Alors la Bible dit au verset 5. Verse 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire.
Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et dit et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le coup des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Bien-aimés dans le Seigneur, une situation s'est produite. We had a situation dans l'église. In the church. Il y avait des frères, you had brothers, qui disaient que who were saying, les païens, the pagans, sauvés, saved, devaient forcément se plier au rite de Moïse. To et il y avait d'autres qui étaient contre. Moses, and those who et alors là, ça a créé le tumulte. And caused the tumult. Parce que là, il s'agissait de la doctrine. Because it was about the doctrine. Alors, qu'est-ce qu'on devait prêcher? What did we have to preach? D'autres qui disaient que les païens doivent observer les rites. Some were saying God, et d'autres qui disaient the pagans had to carry out the rituals. Et là, il y avait affrontement. And we had a confrontation. C'était la confusion totale. It was total confusion. Et il fallait prendre une décision. And a decision had to be taken. Amen. Amen. Alors, les apôtres vont prendre la décision. So the apostles will take the decision. Et dans le verset 24, and in verse 24, la Bible dit, the Bible says, ça, c'est la décision qu'ils vont prendre. This is a decision they will take. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, auxquels nous n'avons donné aucun ordre. Premièrement, il faudrait se rendre compte que first, we have to realize le désordre qui est né, the disorder that was, c'est parce qu'il y avait des bonhommes came was because we had some people qui sont quittés de Jérusalem, who left Jerusalem et sont allés retrouver les frères païens. And went and found the pagan brothers. Et ces hommes and this man n'ont reçu aucun ordre. Took no order. Ça veut dire quoi? What does it ça mean? Veut dire qu'ils sont allés de leur propre chef. They went by themselves. Ils n'ont reçu aucune recommandation. They received no recommendations. On pourrait faire une spéculation. We could speculate. Peut-être dire que quand ils voulaient partir, or say when they on les a demandé de ne pas partir. They were told not to go. Mais ils se sont entêtés. But they were heading. Ils sont partis. They left. Ils n'ont reçu aucune recommandation. They received no recommendation or ils n'ont pas obéi aux recommandations. Or they did not obey. Mais ils sont quand même partis. Et on va voir donc pourquoi and we'll see ça a créé le désordre. Parce qu'ils n'avaient reçu aucun ordre. Because they took no order. La Bible dit que vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Ils n'ont pas reçu d'ordre. They received no order. Ils se sont retrouvés en train de partir prêcher aux païens. They found themselves going to ou alors en train d'enseigner les païens. Or to teach the or n'ayant pas reçu d'ordre, because they did not receive any order, le résultat a été le trouble. The result was tumult. Pour dire quoi bien aimé dans le Seigneur, what does it mean, beloved, in the lorsqu'on ne se confie pas aux recommandations, when we are not conformed with the ce qui va suivre, c'est le trouble. What will follow is the disorder. Or Dieu a fixé les règles dans sa maison. The God has made of rules in his house. Tout doit être fait selon les recommandations. Everything has to be done according tout to doit the être fait dans l'ordre. Everything has to be done in order. Si on se déroge à l'ordre, if we go against the order, on crée le désordre. You create disorder. Alors, ça a créé le désordre. It brought about disorder. Au point où les apôtres étaient donc obligés de prendre une décision. The apostles had to take a decision. Verset 13. Verse 13. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en reparlerai les ruines et je la redresserai. Alors, après cette prise de parole, after this speech,
L'église va donner une instruction. The church will give an instruction. Au verset 19. In verse 19. Il va dire, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours dans les sabbats, tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche Paul et Barnabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Donc après avoir jugé de cette affaire, after this, les apôtres, was judged, the apostles, les anciens de Jérusalem, the elders of Jerusalem, vont prendre la décision, took a decision, de faire des recommandations aux églises de païennes, to make recommendations to the et de les donner à Paul et à Barnabas, and to give them to Paul and Barnabas, afin qu'ils aillent les faire connaître, so that they may bring it to their knowledge. Bien aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, quand nous lisons ce passage, when we read this passage, on peut avoir l'impression que c'est toute l'église de Jérusalem, we can have the impression that is the whole church of Jerusalem, qui s'est assise ce jour-là, which sat on that day, et qui a pris la décision, and took the decision, mais que non, no. On se rend compte que we realize that Paul et Barnabas, Paul and Barnabas, et ces gens du parti des pharisiens, and these people se sont rapprochés uniquement des apôtres, they went to, et des responsables de Jérusalem. To the apostles. Ça veut dire que c'était un peu comme un conclave, mais un conclave restreint à un certain nombre de personnes. A restricted conclave. Et la décision qui est venue de là, and the decision that came from there, cette décision est sortie comme étant la décision de l'église. It came out as a decision of the church. Pour dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? What does it mean, beloved in the Lord? Une décision prise par les responsables de l'église, a decision taken by people in charge of the church, c'est l'église qui a pris la décision. Church that has taken a decision, et ne pas se conformer à cela, are not being conformed to this decision, c'est désobéir au Seigneur. Is disobeying to the, doing disobedient to the ne Lord. Pas se conformer, not conforming yourselves, c'est vivre dans le désordre. Is living in disorder. Alors lorsque les apôtres vont donc aller, when the apostles will go for, et ils vont communiquer ces instructions, I will communicate these instructions, ils vont les expliquer, they will explain to them, et en recommandant aux bien-aimés de s'y conformer, asking the brothers to be conformed, et les bien-aimés vont également s'y conformer, and the brothers will be conformed, et on pourra donc voir les effets, and we can see the results, de l'observation des recommandations, of the observation of these recommendations. Nous allons donc voir les effets de l'observation des recommandations. We are going to see the results of the observation of Acte chapitre 16, verset 5. Chapter 16, verse 5. La Bible dit, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc, bien aimé dans le Seigneur, so beloved in the Lord, on peut se rendre compte que les recommandations, we can realize that the recommendations que Paul a reçues, that Paul received, et donc il est allé donner dans les différentes villes, that he took to the different towns, et exhortant les frères à s'y conformer, exhorting the brothers to be conformed, ces frères ont obéi à ces recommandations. These brothers obeyed to et l'obéissance à ces recommandations, and obedience to these recommendations, a produit des résultats. Produced results. C'est que l'église se fortifiait the dans la foi. The church was getting stronger in faith. Et elle augmentait en nombre de jours. And they would grow in number daily. On peut se rendre compte qu'il y a deux choses. We can realize that there are two things. Que l'observation des recommandations produit. That the observation of recommendations. Premièrement, au sein de l'église. In the midst of the church. Ça permet en sorte que l'église soit fortifiée dans la foi. Permits the church to be stronger in faith. Que l'église grandisse dans la connaissance de la parole de Dieu. That the church grows in the knowledge of the word of God.
Et l'autre chose, and the other thing, l'église augmente en nombre. The church grew in number. C'est-à-dire que l'église peut vaquer aisément à la prédication de l'évangile. The church can carry out et on peut voir plusieurs personnes être sauvées. And we see many people being saved. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. L'observation des recommandations est très importante. The observation of recommendations are very important. Dans tous les cas. In every case. Si nous ne respectons pas les recommandations, if we don't respect recommendations, ça veut dire que nous avons décidé de ne pas grandir. It means we have decided not to grow. De ne pas croître. Not to grow. Et si on ne grandit pas, si on n'est pas stable dans la foi, if we don't grow and we are not stable in faith, on ne peut pas vaquer à la prédication de l'évangile. We cannot carry out the preaching of the gospel. Imaginez-vous une église qui passe le temps à bagarrer. Imagine the church that spends all the time où il y a du désordre. Where there is disorder. Au lieu de réfléchir sur la prédication de l'évangile, instead of thinking of the preaching of the gospel, elle réfléchit sur autre chose. We think about some other things. Sur des choses qui n'ont rien à voir. With things that has nothing to do. Pourquoi? Why? Parce qu'on refuse de se conformer aux recommandations. Because we refuse to be conformed to. Parce qu'on résiste aux recommandations. Because we desist from. On résiste aux recommandations. Resisting recommendations. C'est aller à l'encontre de l'ordre. It's going against order. Et si on va à l'encontre de l'ordre, and if we are going against order, l'église ne peut pas être stable dans la foi. The church cannot be stable. L'église ne peut pas être fortifiée. The church cannot be stronger. Et l'église ne peut pas vaquer à sa mission qui est la prédication. And the church cannot carry out its mission which is the preaching of the gospel. Or, dans les actes des apôtres, in the acts of apostles, on pouvait voir l'apôtre Paul prendre la peine. We could see the apostle Paul taking d'expliquer les recommandations, to explain the recommendations, et de demander aux frères de s'y conformer. And to ask the brothers to be conformed. Et le résultat, and the result, c'est que les frères, that is that the brother, pouvaient grandir dans, pouvaient être fortifiés, could be strong dans la foi, in faith, et augmenter, and grow en nombre de jours, in number, de jour en jour. Dans la version parole vivante, disait ainsi que les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Amen. Amen. Alors, c'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40, 1 Corinthiens 14, verset 40, nous allons lire ça dans 3 versions. We're going to read for 3 versions. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Mais veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. Tout doit se faire convenablement. Tout doit se faire selon ce qui a été dit. According to what has been said. Amen. Amen. C'est très important. It's very important. Alors, bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Nous pouvons voir également que we can equally see that l'apôtre Paul, Apostle Paul lui-même himself était un modèle. Was a model. Il respectait l'ordre. He respected order. Parce que quand il donne cette instruction à Tite, when he gives this instructions to Titus, c'est parce que lui-même il respectait les instructions. It's because he respected instructions. Dans Tite chapitre 1, verse 5, la Bible dit: je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses les anciens dans chaque ville. Paul donnait les instructions. So Paul was giving instructions. Et il veillait à ce que ces instructions soient respectées. I made sure that these parce que lui-même respectait because himself respectait les instructions. Was respecting instructions. Vous savez bien, mais dans le Seigneur, plusieurs pensent que Paul, you know, think that Paul a vécu sa vie de sauvé, lived his saved life, sans se fier à des instructions qui venaient de ses aînés. Without taking instructions from his elders. Or, c'est totalement faux. It's false. Paul, malgré la connaissance qu'il avait des Écritures, Paul, despite the knowledge he had of the scriptures, Paul respectait les instructions qui lui venaient de Jérusalem. Paul was respecting the instructions that were coming from Jérusalem. Paul respectait les instructions
que donnait l'Église. Paul was respecting instructions that were given by the church. Parce que bien aimé dans le Seigneur. Because beloved in the Lord. Si nous ne respectons pas les instructions, if we don't respect instructions, il est difficile pour nous de donner des instructions. It is difficult for us to give instructions. Or, Paul dont nous parlons, the Paul we are talking about, il avait été choisi par Dieu lui-même. He was chosen by God himself. Il avait été mis à part par le Saint-Esprit. He was set apart by the Holy Spirit. Et la Bible dit. And the Bible dans Actes chapitre 13, verset 1. Acts chapter 13, verse 1 to 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lysus de Cyrène, Manahaim, qui avaient été élevés par Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Amen. Amen. Donc, on peut voir ici we can see here la mise à part de Paul, the setting apart of Paul et de Barnabas. And Barnabas. Amen. Amen. Et ils vont aller en mission. They will go on mission. Et pendant qu'ils seront en mission, and while they will be on mission, ils vont faire face à une opposition. They will face opposition. Dont nous avons parlé plus haut. That we talked before. L'opposition des frères qui venaient de la Judée. The opposition of brothers that were coming from Judea. Dans Actes chapitre 15 au verset. Acte chapitre 15 verset 1 au verset 2. 1 to 2. On l'a vu, dit quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Paul pouvait rester. Paul pouvait rester. Il dit que j'ai pas besoin de ces anciens. And say I don't need these elders. J'ai pas besoin de ces responsables. I don't need these. J'ai pas besoin de ces apôtres. I don't need these apostles. Parce que moi-même je suis apôtre. Because I am an apostle myself. J'ai été mis à part. I was set apart. Par Dieu lui-même. By God himself. Mais que non. No. Paul. Lorsqu'il s'est trouvé nécessaire d'aller à Jérusalem. When he found it necessary to go to Jerusalem. Il n'a pas dérogé à cela. He did not stop. Il est parti à Jérusalem. He went to Jerusalem. Afin d'exposer cela devant les anciens. In order to expose afin que the elders, les anciens prennent la décision. So that the elders may take the decision. Et c'est ça que la Bible nous dit. Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'église, les apôtres et les anciens. Et il racontait tout ce que Dieu avait fait avec eux. Là, c'est Paul et Barnabas. That is Paul and Barnabas. Qui vont faire un rapport à l'église. Who are going to give the report to the church. Amen. Amen. Donc Paul pouvait dire que je ne fais pas de rapport à l'église. Paul could say I will not give any report. Mais il fait un rapport à l'église. But he made devant les apôtres, devant les anciens, before the elders and the apostles. Et la Bible dit au verset 5. And the Bible tells us. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se lever en disant qu'il fallait circoncire les païens. Et exigeait l'observation de la loi de Moïse. Alors il va donc avoir une discussion. Il a mis quoi? Toute l'assemblée garda le silence. Au verset 12. Verse 12. Et l'homme écouta Barnabas et Paul, qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait parmi eux au milieu des païens. Pendant cette discussion, during this discussion, le parti des pharisiens va exposer. The side of the Pharisees will expose. Et Paul et Barnabas vont également exposer ce qu'ils prêchent. And Paul and Barnabas were equally going to expose. En quelque sorte, preach. Paul va exposer ce qu'il prêche. Paul will expose what he preaches. Et c'est ce qu'il va nous dire dans le livre de Galates. And that's what he will tell us in the book. Afin de ne pas courir en vain. So that we may not run. Il s'est rapproché de ceux qui sont considérés comme des colonnes. He got close to those who were considered afin as de leur présenter ce qu'il prêchait. So that he may present what he preaches. Pour dire quoi? What does it mean? Pour dire que Paul lui-même reconnaissait les autorités qui sont devant lui. Meaning Paul recognized the authorities that were above him. Et reconnaissant cela, recognizing that, il pouvait se plier à leur jugement.
He could be submitted to their judgment. Pour qu'il puisse avoir la certitude que ce qu'il prêche so that he may have the certitude that est sans ambiguïté. Is without ambiguity. Amen. Amen. Et il pouvait avoir cette certitude venant de qui? Venant de ceux-là que Dieu a Where was he going to get this certitude? Coming from those God has chosen. Alors, Paul, Paul, dans tout son ministère, in his whole ministry, va se plier à toutes les recommandations que l'Église will be submitted to all the recommendations that the church will give him. Or, ces recommandations que l'Église va lui donner, these recommendations that c'était des recommandations données par les anciens, were recommendations given by the elders. Et Paul prend la peine de nous le dire. And Paul tells us, Galates chapitre 2, Galatians chapter 2, verse 10. Il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres ce que j'ai bien eu soin de faire. Paul s'est rassuré que Paul made sure that les recommandations qui lui étaient données par the recommendations that were given les apôtres, by the apostles, il dit qu'il a eu soin de les appliquer. He said he carried them up. Out. Donc, si nous voulons prendre le modèle de Paul, if we have to take Paul's example, pour marcher, pour faire ce que nous voulons, to do what we want, ou alors pour faire ce que nous pensons, or to do what we think, croyant que nous ne sommes pas obligés de nous soumettre à qui que ce soit, not obliged to be submitted to whoever, bien aimé dans le Seigneur, nous nous trompons. Beloved in the Lord, we are deceiving ourselves. Parce que Paul lui-même, because Paul himself n'a jamais été un modèle d'insoumission. Has never been an example of Paul a toujours été un modèle de soumission. He has always been an example of submission. Il s'est soumis aux recommandations. He submitted to recommendations. C'est pour cela que lui-même pouvait faire des recommandations. That's why he himself could give recommendations. Il pouvait recommander Tite. He could recommend Titus. Il pouvait donner des instructions à Tite. He could give instructions to Titus. Parce que lui-même, because himself, il respectait les instructions qu'on lui donnait. He respected the instructions that were given to him. Bien aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, si nous ne respectons pas les instructions, if we don't respect instructions, n'attendons pas que nous allons donner les instructions pour que ces instructions soient respectées. Let us not think that we'll give instructions and they'll be respected. Parce que si nous ne sommes pas soumis, because if we are not submitted, n'attendons pas la soumission. Let us not expect submission. Nous sommes obligés d'être soumis. We are obliged to be submitted. C'est comme ça que Dieu a établi les choses dans sa maison. That's how God has established things. C'est comme ça que Dieu a établi les règles de sa maison. That's how God has established the rules. L'ordre dans la maison de Dieu. Order in the house of God. Passe par le respect, ou alors par la respect, la soumission and submission aux instructions. To instructions. Amen. Amen. Autre élément, other element, qui permet la conservation de lui, qui permet de conserver l'ordre, that permits order to be kept, c'est le respect des conducteurs, is the respect of the leaders, c'est le respect des dirigeants, respect of the leaders. Alors bien aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, il est d'abord important de savoir que c'est Dieu qui fait grâce. It is in important to know that it's God who gives the grace. Selon ce qu'il dit dans Romains chapitre 11, verset 29. According to Romans chapter 11, verse 29. Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Amen. Donc, quand Dieu fait un don de grâce, when God gives grace, il ne se repent pas de cela. He doesn't repent from it. Quand Dieu fait grâce à un homme, when God grants grace to a man, il ne se repent pas de ses dons. He doesn't repent from it. Et la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 2, Ephésiens chapitre 4, verset 12 au verset 13, la Bible dit que tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. Il nous a donné des frères, il nous a donné ses frères, pour que nous parvenions à une réelle unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenons majeurs en atteignant une virile maturité, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle de Christ et que tous ensemble, nous formions cet homme parfait
qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Donc, parlant des dons, talking about gifts, les dons, ce sont les frères que le Seigneur nous donne. The gifts are the brothers that God has given us. Or, ces frères que le Seigneur nous donne, these brothers that the Lord has given us, ils sont là pour notre perfectionnement. They are here for our perfection. Si Dieu peut se repentir d'un don, if God could repent from a gift, ça veut dire que Dieu peut se repentir d'un frère. That means God can repent from a brother. Si Dieu peut renier un don, if God could reject, ça veut dire que Dieu peut renier un frère. It means God can reject him. En quelque sorte, Dieu peut renier un sauvé. In other words, God mais il est impossible pour Dieu, it's impossible to God, de renier un sauvé. To reject a saved one. Dieu ne se repent pas de ses dons. God doesn't repent. Dieu nous a donné des frères. God has given us brothers. Il a donné des frères qui sont à la tête de l'église. He has given us brothers who are the head. Et ces frères qui sont à la tête de l'église, Dieu ne pourra jamais se repentir d'eux. God can never repent. Parce que ces frères qui sont à la tête de l'église, because these brothers are, ils sont des dons que Dieu nous a donnés. They are gifts that God has afin given que us. Nous soyons, afin que nous puissions grandir, so that we may grow, et que nous parvenions à une réelle maturité. That we may get to real maturity. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, so beloved in the Lord, quand nous parlons du respect des dirigeants, when we are talking about the respect of leaders, c'est que Dieu, dans sa maison, that God in his house, sera sûr que les gens qui y sont, make sure that the people who are within, il les établit à des positions de responsabilité. He establishes them in the position of responsibility. Et étant à ces positions de responsabilité, while these positions of responsibility, il est important pour chacun d'entre nous de leur obéir. It is important for each one of us to il est important pour chacun d'entre nous de les considérer. It is important for each one of us to consider them. Parce que ne pas les considérer, because not considering them, c'est créer le désordre. Is creating disorder. Regardons un peu dans ce qui s'est passé dans le désert. Let's see what happened in the desert. Avec Moïse qui va établir les responsables suivant l'orientation de Dieu. With Moses who established people responsibilities according to God's orientation. Moïse est serviteur de Dieu. Moses is God's servant. C'est Dieu qui est le chef de l'assemblée qui se trouve au désert. It is God who is the head of the assembly that mais is c'est the à desert. Moïse que revient la responsabilité d'établir les responsables. But Moses had the responsibility to establish people in charge. Et ça, c'est Dieu qui donne cette orientation à Moïse. And God was giving this orientation to Moses. Dieu donne l'orientation à Moïse. God gives orientation to Moses. Suivant le conseil de son beau-père Jéthro. According to the advice of his father-in-law Jéthro. Parce que Dieu ne descendra jamais physiquement et dit, because God will not come down physically and say, toi tu seras ceci. You are going to be this. Toi tu seras cela. You are going to be that. En fait, ce que tu seras, in fact, what you're going ou alors la responsabilité que tu vas occuper, or the ou encore la charge have, que tu vas occuper, or the burden you bear, Dieu suscitera un homme, God raise a man, pour que au travers de cet homme, so that through this man, tu puisses occuper la charge qu'il avait prévu que tu devais occuper. You take the responsibility he made for you. Dieu va susciter Moïse. God will raise Moses. Et Moïse va choisir parmi le peuple. And God will choose, Moses will choose among the people. Des responsables. People in charge, qui seront à la tête, who will be at the head of the people. Exode chapitre 18 verset 21. Exodus chapter 18 verse 21. Choisis parmi tous les peuples, parmi tout le peuple, des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Verset 25. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. C'est Moïse qui a établi ces personnes. It is Moses who established these people. Mais Moïse ne s'est pas levé et il a imaginé qu'il doit établir ces personnes. And Moses did not just get up and imagine that he would establish. C'est que l'orientation lui a été donnée de Dieu. Orientation was given to him by God. Oh, et je tiens à rappeler que I will need to remind us Moïse that qui établit ces hommes, Moses was la Bible dit qu'il est serviteur. The Bible says he's a servant. Il n'est pas le chef. He's not the head. Mais il est serviteur. He's a servant. Mais Dieu fonctionne dans l'ordre. But God functions in order. Parmi ceux qui sont serviteurs, among those who are servants, il établit des personnes, he establishes people, pour gérer les autres serviteurs, to manage the other servants, ou alors pour conduire les autres serviteurs. To lead the other servants. Et celui-là qu'il établit, and he
this person he establishes, il lui donne la responsabilité d'établir d'autres responsables. He gives him the responsibility to establish other people in charge. Oh, bien aimé dans le Seigneur. He loves the Lord. Le respect des responsables est quelque chose de très important dans l'Église. The respect of people in charge is very important. Oh, désobéir à un responsable. Being disobedient to quelle que soit la responsabilité qu'il occupe. No matter the responsibility he has, c'est aller à l'encontre de l'ordre que Dieu établit. It's going against the order God has established. En fait, ce n'est pas ce responsable que nous désobéissons. It is not to these people in charge that we disobey. Mais c'est à Dieu. It is to en fait, God. Imaginez-vous. Imagine que un chef de 10 that the head of 50 donnait une instruction. Gave an instruction. Et que parmi les 10 and among the 10, il y a des bonhommes qui ne respectent pas. I had some people. Ou alors il y a parmi les 10 or among the 10, des bonhommes qui ne respectent pas leur chef. We had people did not respect. En fait, their ils sont leaders. En train de désobéir à qui? That, who are they being disobedient? Ils ne sont pas en train de désobéir à Moïse. They are not being disobedient ils to sont Moses. En train de désobéir à l'orientation que Dieu a donnée. They are being disobedient to the orientation that en God fait, has ils sont en train de dire que Dieu a fait l'erreur. They are saying that God has made a mistake. Or, est-ce que Dieu se trompe? Can God make a mistake? Dieu ne se trompe pas. God cannot be deceived. Alors, or lui-même Moïse en tant que serviteur, Moses himself as a servant, lui-même va établir d'autres serviteurs. He will establish other servants. Parce que c'est à lui que Dieu a confié la charge. Because it is to him that et God has given the responsibility. Et on peut voir dans Hébreux chapitre 3 verset 5, Hebrews chapter 3 verse que Moïse 4, lui-même 5, était un serviteur. That Moses himself was a servant. Et il était un serviteur, and he was a servant. Mais un serviteur qui devait conduire le peuple. A servant who was going to lead the people. Et c'est ça que Hébreux chapitre 13 verset 17. Hebrews chapter 13 verse 17. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gélissant, ce qui vous ne sera d'aucun avantage. Donc la Bible nous demande d'obéir à nos conducteurs. The Bible asks us to be obedient to our leaders. D'obéir à nos responsables. To be obedient to those in charge. D'avoir pour eux de la différence. To have distinction. C'est-à-dire d'avoir pour eux un profond respect. To have deep respect for them. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Ne pas avoir du respect pour un responsable. Not having respect for someone in charge. C'est accepter d'être dans le désordre. Is accepting to be in this. Parce que tout ce qu'il nous dira, because everything he's going to tell us, on ne va jamais obéir. We will never obey. Et si on n'obéit pas, and if we don't obey, on va faire comme on pense. We'll do what we think. Et si chacun d'entre nous commence à faire comme il pense, and if each one of us starts doing what he thinks, ça sera l'anarchie. It's going to be anarchy. Or Dieu a toujours veillé qu'il y ait un chef. But God has always made sure that there will be a leader. C'est un peu comme dans une famille. It's like in a family. Il y a le père de la famille. You have the father of the house. Qui est le chef de la famille. Who is the head of the house. Et il a des enfants. And has children. Et parmi les enfants, and among the children, tous sont ses enfants. They are all his children. Mais il y a l'autre. But there is other. Il y a les aînés. You have the elders. Il y a les cadets. You have the junior ones. Et ce sur quoi le chef de la famille veille, and those the head of the house watches over, c'est que les cadets puissent respecter les aînés. Is that the younger ones who respect the elders? Une maison où les cadets ne respectent pas les aînés, a house where the younger ones do not respect the elders, c'est le désordre total. It's total disorder. Et c'est même une maison où vous allez vous rendre compte que même le chef de famille on ne respecte pas. And you realize that the head of parce the house que en fait c'est le chef de famille qui donne l'orientation. Because the head of the house that gives orientation. Le chef de famille dit il faudrait que les cadets respectent les aînés. The head of the house will say, bon, mais si les cadets ne respectent donc pas les aînés, if they don't respect the elders, ça veut dire que même les orientations du chef de famille ne tiennent pas. Even the orientation of the head of the house, ça veut dire que eux-mêmes ne respectent pas le chef de famille. They don't respect the head of the house. Oh, bien aimé dans le Seigneur, l'église est comme cette maison. Lord, the church is just like this house. Où Dieu est notre père. Where God is our father. Et nous sommes ses enfants. And we are his children. Et parmi ses enfants, among his children, il y a des aînés, you have elders, qui sont considérés comme des conducteurs, who are considered like lead, as et leaders, à qui nous devons du respect, and to whom we owe à qui respect, nous devons obéissance, to whom we owe à qui nous devons un profond respect, to whom we owe deep respect. Et Pierre lui-même pouvait le dire. 1 Peter 5, verse 5. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
La Bible nous recommande. The Bible recommends us. La soumission aux aînés. Submission to the elders. Ou encore la soumission aux responsables. Or submission to those. Parce que les anciens ici sont assimilés aux responsables. Because the elders here are likened to the. La soumission aux responsables est quelque chose de très capital. Submission to those in charge is something very important. Si on n'est pas soumis aux responsables. If we are not submitted to those in charge. Ça veut dire que. It means. On vit comme on pense. We just live the way we want. On fait comme on veut. We do what we want. Et personne ne nous dit quoi que ce soit. And no one tells us whatever. Amen. Amen. Et là, ça ne peut pas militer en la faveur de l'ordre. It cannot work in the favor of order. Or, dans une maison où tout est en désordre. In a house where everything is in disorder. C'est une maison qui ne peut pas prospérer. It's a house which will never prosper. D'où l'importance du respect. That's why you have de la soumission. We need respect and submission au sein de cette maison. In the midst of that house. Alors, 1 Corinthiens chapitre 16 verset 15. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 15. Encore une autre recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est Paul qui donne cette recommandation. It is Paul who gives this recommendation. Il parle ici de l'église qui se retrouve à l'Achaïe. He's talking about the church which is family. Et il fait mention d'une famille ici. He mentions a family here. La famille de Stéphanas. The family of Stephanas. Qui sont les prémices de l'Achaïe. Who are the firstborn of this country? Dans tous les cas, ce sont les premiers sauvés de l'Achaïe. They are the first saved ones of this country. Parmi lesquels Stéphanas lui-même. Among whom we have Stephanas himself. Qui est parmi les premiers sauvés? Who is among the first saved? Ou encore, pour ne pas dire le premier sauvé. Or not to say the first saved one. De cette localité. Of this locality. Donc, il y avait l'église en Achaïe. You have the church in this locality. Et dans cette église, in this church, la famille de Stéphanas était les premiers à être sauvés. The family of Stephanas were the first to be saved. Et la Bible dit, and the Bible says, cette famille s'est dévouée au service des saints. This family was devoted to the service of the saints. Ça veut dire qu'ils se sont dévoués à la prédication de l'évangile. They were devoted to the preaching of the gospel. Ils se sont dévoués à ce que à la propagation de l'évangile dans toute l'Achaïe. They were devoted to the spreading of the gospel in the whole locality. Ils se sont privés d'un certain nombre de choses pour que d'autres personnes soient sauvées. They deprived themselves of many things for other people to be saved. Ils ont mis leur vie en péril pour que d'autres personnes soient they sauvées. They put their lives in danger for the other people to be saved. Et l'apôtre Paul dit que, and the apostle Paul says that, pour de tels hommes, for this man, kind nous of leur devons de la déférence. We owe them this. Nous leur devons du profond respect. We owe them deep respect. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Revenant dans notre contexte en Afrique. Let us come back to our context in Africa. Nous avons, we have, au sein de l'Église en Afrique, in the midst of the church in Africa, des personnes qui sont des prémices de l'Église en Afrique. People who are firstborn of the church in Africa. Et nous avons même le prémice de l'Église en Afrique. And we have the firstborn of the church in Africa. Et quand nous voyons tous ces pays. And when we see all these countries, par où l'évangile est arrivé aujourd'hui, where the gospel has reached today, là où l'évangile est arrivé aujourd'hui, tant pour moi, where the gospel has reached today, c'est à cause de leur dévouement. It is because of their devotion. De leur dévouement. Because of their devotion. Ils se sont dévoués pour que l'évangile se retrouve dans toute l'Afrique aujourd'hui. They got devoted for the gospel to be everywhere in Africa. C'est eux qui ont donné le ton de la prédication à l'époque. En fait, c'est eux qui ont donné le ton de la prédication de l'évangile dans l'Afrique. They gave the rhythm of the preaching of the gospel in Africa. Et on peut voir un homme, and we can see a man, que nous tous nous connaissons, that we all know, notre aîné le pasteur Boba, our elder pasteur Boba, qui s'est donné corps et âme pour que l'évangile aille dans toute l'Afrique. Who gave his body and soul for the la gospel. La Bible nous dit, go to Africa. Pour de tels hommes. The Bible says for these people, nous les devons de la différence. We owe them distinction. Et avec nous, toute une équipe de frères. With a whole team of brothers, qui se sont dévoués, who
were devoted. Pour que l'évangile entre dans l'Afrique. For the gospel to get into Africa. Pour eux, nous les devons de la différence. To them we owe distinction. Bien aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Ils sont considérés comme les conducteurs. They are considered as leaders. Et ne pas les respecter. And not respecting them. C'est s'engager dans le chemin du désordre. Is being engaged the way of disorder. Dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 29 Philippians à, 2, à 30, verse 29 to 30. La, en fait, la Bible nous dit, recevez donc dans le Seigneur, recevez-le dans le Seigneur, avec une joie entière et honoreux de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Nous avons ici le frère. Here we have a brother. Epaphra. Qui a exposé sa vie. Who exposed his life. À cause de l'évangile. Because of the gospel. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Et pour de tels hommes. For this kind of Paul life, dit que nous devons avoir un profond respect. Paul says we need to que nous devons les honorer. We need to honor them. Combien de nos frères. How many of our brothers. En commençant par notre aîné. Beginning with our ont exposé leur vie pour l'évangile. Expose their lives for the gospel. Abandonnant leur famille. Abandoning their family. Abandonnant leurs enfants. Abandoning their children. Partant dans un lieu inconnu. Going to unknown places. Où l'évangile n'est pas encore arrivé. Where the gospel has not yet reached. Et ils doivent faire entrer l'évangile là-bas. And have to bring in the gospel. Et parfois ils ne connaissent personne là-bas. Sometimes they know nobody there. Et ils prennent des moyens de transport. And they take transportation. Tout en espérant ne plus revenir. Knowing that they may not come back. Parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. But they don't know what is going parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer devant. They don't know what is going to happen. Ils ont exposé leur vie. They exposed their lives. Bien aimés dans le Seigneur. Loved in the Lord. C'est faire preuve d'ingratitude pour nous aujourd'hui. Is it de ne pas avoir pour de tels hommes. Not to have to this kind of men, un profond respect. A deep respect. C'est faire preuve d'ingratitude aujourd'hui. Is being ungrateful today. De ne pas honorer de tels hommes. Not to honor these people. De prendre ces hommes. Or to take this man comme des personnes ordinaires. Like ordinary people. Et en les prenant comme des personnes ordinaires. Like taking them like c'est que nous ne voyons pas la valeur de leur travail. It's because we don't see the value of their work. Bien aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. La valeur de leur travail. The value of their work. Devrait nous amener à les considérer. We're supposed devait to nous amener à avoir du respect pour eux. Have respect for them. Dans tous les cas. In every case. Si nous ne sommes pas prêts à les respecter. If we are not ready to respect them. Nous-mêmes n'attendons pas qu'on va nous respecter. Let us not expect respect. Et là nous aurons une église. And there we are going to have a church. Où personne ne respecte personne. Where no one respects anyone. Personne ne considère personne. No one considers anyone. Et là nous sommes dans le désordre. And we are going to be in disorder. Nous sommes dans le désordre. We are going to be in disorder. Le respect des aînés. The respect le respect others, des responsables. The respect for people in charge est très important. It's very important. Et il y a parmi nous. And we have among us ceux-là qui ont donné leur vie. Those who have qui ont exposé leur vie pour l'évangile. Exposed their lives for the gospel. Aujourd'hui nous sommes en 2021. Today we are in 2021. Plusieurs personnes naissent de nouveau aujourd'hui. Many people are born again today. Et ils peuvent entrer dans plusieurs pays. And they could get into many countries et prêcher l'évangile avec aisance. And preach the gospel with ease. Chose qui n'était pas le cas dès les premières heures de l'évangile. Things which was not possible. Et ça, plusieurs personnes ont souffert de cela. And many people suffered from this. Par eux, l'évangile est entré là où nous pouvons aller prêcher aisément l'évangile aujourd'hui. Through them, the gospel got to the places where we can preach with ease today. La Bible nous dit. The Bible tells us. Nous devons les respecter. We need to respect nous them. Devons un profond respect. We owe them deep respect. Parce qu'ils ont été des instruments. Ils sont des instruments. Because they are instruments entre les mains de Dieu. In God's hands. Pour la propagation de l'évangile dans toute l'Afrique. For the spreading of the gospel in the whole. Et nous pouvons nous rendre compte que cet évangile ne s'est pas seulement limité à l'Afrique. And we can realize that this gospel has not only stopped in Africa. On l'a vu aujourd'hui dans tous les pays de la, en fait dans tous les autres pays. We are sending out to other countries. Où les frères de l'Afrique peuvent se retrouver. Where brothers from Africa can find themselves. Et c'est ce que nous avons appelé la diaspora africaine. And that's what we are calling the diaspora. C'est grâce à leur travail. It's thanks to their work. Et nous devons pour eux, nous les devons profond respect. And we owe them deep respect. Et 1 Timothée chapitre 5 verset 17. 1 Timothy 5 verse 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement.
Bien-aimés dans le Seigneur, beloved in the Lord, nous avons le devoir de respecter. We have the duty to respect les anciens, the elders, ou encore les dirigeants, or the leaders, ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Those who are preaching. Bien-aimés dans le Seigneur, le respect du dirigeant est très important. The respect of the leader is very important. Dans tous les cas, nous avons la responsabilité de respecter le dirigeant. In every case, we have the responsibility to respect our leader. Certaines personnes peuvent se dire que le dirigeant peut se tromper. Some people can say that leaders can make mistakes. C'est pas faux. It's not false. C'est un humain. He's a human. Il peut se tromper. He can make a mistake. Mais c'est pas parce qu'il s'est trompé. It's not because he made a mistake. Que nous devons le désobéir. That we have to disobey them. Que nous ne devons pas le considérer. Or not to consider them. Nous avons la responsabilité de le considérer. We have the responsibility to consider them. Et de lui obéir. And to obey them. Je fais un peu cette illustration. Let me make this illustration. Entre Joab et le roi David. Between Joab and King David. David était roi. David was king. Et Joab était son général. And Joab was his general. Joab devait obéir au roi. Joab had to obey the king. Et le roi va lui donner une instruction. And the king will give him an instruction. D'aller faire le dénombrement. To go and make the census. Or cette instruction que le roi donne. And this instruction that Joab le sait. Joab knows. Que cette instruction va à l'encontre des principes de Dieu. That it goes against God's principles. Mais Joab n'a pas fait un affront avec David. But Joab did not oppose David. Il ne s'est pas opposé à David. He did not oppose David. Joab a respecté ce que David a dit. Joab respected what David said. Parce qu'il avait du respect pour David. Because he had respect for David. Dans tous les cas. In every case. Quelle que soit l'orientation que peut prendre un responsable. Whatever be the orientation that a leader can take. C'est pas à nous de le faire affront. It is not to us. For us to oppose them. C'est pas nous de lui faire affront. It's not for us to oppose them. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Soyons dans la soumission. Let us be submissive. Dans tous les cas, si il a pris une mauvaise décision, if he has taken a wrong decision, ça va retomber sur lui. It will fall on him. La preuve. Evidence. David avait pris une mauvaise décision. David took the wrong decision. Joab n'a pas fait l'affront. Joab did not oppose Mais les représailles ne sont pas tombées sur Joab. But the result did not fall on Joab. Les représailles sont tombées sur fell on sur David on David. Parce que notre responsabilité. Because our nous devons nous rassurer que nous sommes dans notre que nous faisons notre responsabilité. We have to make sure that we are carrying out our responsibility. C'est de respecter les aînés. It's respecting the C'est de respecter les dirigeants. And respecting the C'est de respecter leaders. Ceux-là qui travaillent. Respecting those who ceux-là qui se sont dévoués. Who are were devoted à la prédication de l'Évangile. The preaching of the gospel. C'est vrai que les gens prennent souvent cette image de Paul et de Pierre. It is true that people take this image of Paul and Peter. Paul qui a résisté à Pierre. Paul who resisted to Peter. Mais quand on lit entre les lignes. But when we read between the lines. Paul qui résiste à Pierre. Paul who resists Peter. Ce n'était pas cette résistance n'était pas liée à une instruction que Pierre donnait. This resistance was not linked to an instruction that Peter could give. Non. No. Ce n'était pas lié à une recommandation que Pierre donnait et que Paul a dit non, je ne le fais pas. It was not linked to a recommendation that Peter was giving and Paul said no, I can't do it. Faut pas faire l'amalgame. Don't mix things up. Or Romains chapitre 13 verset 1 à 2 nous dit ceci. Romans 13 verse 1. Et ça c'est Paul qui parle. To 2 is Paul who is speaking. Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu. Et celles qui existent sont ordonnées de Dieu. De sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu. Et ceux qui résistent feront venir un jugement sur eux-mêmes. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit de respecter les autorités. The Bible tells us to respect quel que soit le type d'autorité. Every kind of authority. Nous avons dans l'organisation de l'église we have the organization of the church. Un responsable. Qui est notre aîné? Who is our elder? Nous avons dans les pays des responsables. In the country, we have dans les districts des responsables. We have, in the district, we dans have les assemblées des responsables. The assembly, tous ces responsables. All these people in charge. C'est Dieu qui les a établis. It's God who has established them. Résister à ces responsables. Resisting to them. C'est résister à l'ordre établi par Dieu. It's resisting to establish order by God. Alors bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Nous avons dans certains éléments. We have some elements. Qui viennent déstabiliser l'ordre. Which destabilizes order. Parmi ces éléments, nous avons les plaintes Among et les murmures.
Elements, you have complaints and murmurs. Et nous pouvons voir dans Actes chapitre 6, verset 1. Acts chapter 6, verse 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Bienvenue dans le Seigneur. Les hellénistes ici là, ce sont des juifs. The hellénistes here are Jews. Qui se retrouvaient dans la diaspora. Who were found in the diaspora. Et les Hébreux ici, c'est ceux-là qui étaient en Judée et qui ne sont pas sortis, qui n'ont. And Hebrews here are those who stayed in Judea and who did not go out. En fait, ils n'ont pas connu la déportation. Who were not deported. Donc, il y avait donc comme un conflit entre eux. It was like a conflict between them. Et les murmures sont nés. And murmurs. Et ces murmures ont créé du désordre. And these murmurs brought about disorder. Au point où les apôtres étaient obligés de venir et de trancher. To the point where the apostles had to settle. En donnant l'instruction. And giving instructions. Que l'Église choisisse des diacres. That the church chooses. Deacons, afin qu'il n'y ait plus des murmures et des plaintes. So that we not have murmurs and complaints. Pour dire quoi? What do we mean? Pour dire que lorsqu'il y a des murmures et des plaintes, that when we have murmuring and complaints, ça crée le désordre. It creates disorder. C'est ce que la Bible nous dit. That's why the Bible tells dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10 verse 10. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Donc, elle nous recommande de ne pas murmurer. They recommend us not to murmur. Parce que les murmures entraînent le désordre. Because murmuring brings about disorder. Et quand il y a désordre, and when there is disorder, ça devient compliqué. Becomes complicated. Dans Jacques chapitre 5, verset 9, James chapter 5, verse 9, la Bible dit, ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Dans Galates chapitre 5, verset 26, Galatians 5, verse 26, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Donc, les plaintes et les murmures, complaints and murmurs, sont des choses à proscrire dans l'église. Are things forbidden in the church. Les envies, envy, envier les autres, being envious of others, sont des choses à proscrire, puisque quand on commence à envier quelqu'un, because when you start envying, on va forcément se plaindre. You finally complain. Pourquoi telle est là-bas? Why is this one? Pourquoi telle fait ceci? Why is this other pourquoi one? Ceci? Pourquoi cela? Pourquoi why, ceci? Pourquoi why, cela? Why? Et ça crée les plaintes. And create ça crée les murmures. Creates murmurs. Et ça crée le désordre. And creates disorder. Et ce sont des choses à proscrire. And there are things that are forbidden. Autre élément, another element, qui cause le désordre. That brings about disorder. C'est la remise en cause du leadership. It's putting in question leadership. Parce que cette remise en cause du leadership est un facteur de division. Putting in question leadership brings division. Dans Nombre chapitre 12 verset 1 à 3, Numbers chapter 12 verse 1 to 3. La Bible dit: Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait pris, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas par nous aussi qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Donc, Marie et Aaron, Mary and Aaron, vont parler contre Moïse, who talk against Moses, à cause d'un acte que Moïse a posé. Because of an action that Moses. Et ils vont se dire, à cause de cet acte, and because of this act, est-ce que Moïse est encore digne de nous conduire? Is Moses still worthy to lead us? Est-ce qu'il n'est que le seul à qui Dieu parle? Is he the only one to whom God talks? Dieu ne parle-t-il pas par? Dieu ne parle-t-il pas à nous aussi? Can, is God not also talking in us? Donc il y avait déjà remise en cause du leadership. We already have put in the leadership being put in question. Et là, ça devait entraîner le désordre. And it was bringing about disorder. Parce qu'il y aura ceux qui devaient être pour Moïse. Because we are going to have those who were for Moses. Et ceux qui vont être pour Aaron et Marie. And those who will be for Aaron and Mary. Il y aura division au sein de l'assemblée. There will be division in the assembly. Mais Dieu qui a uni l'assemblée. But God who has united the assembly. Va entrer en jeu en réglant le problème. Will come to play to settle the problem. Et il va dire. And he will say. Et il va dire ce qu'il va dire à Marie. He will say what he will say to Mary. Et il va remettre Marie à l'ordre.
You put bring men to order. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Il est important pour nous. It is important for us. De comprendre que si nous contestons le leader. To understand that if we contest the leader, nous sommes en train de créer le désordre. We are creating disorder. Si nous remettons en cause le leadership, if we put in his leadership in question, d'un bien-aimé, of a beloved one, que Dieu a établi, that God has established, nous sommes en train de créer le désordre. We are creating disorder. Que ça soit dans ton assemblée, be it in your assembly, que ça soit dans ton groupe d'action, or your action, que ça soit dans ton district, or your district, que ça soit dans la coordination nationale, or in your que ça soit dans la coordination Afrique, or in the la remise en cause du leadership est quelque chose à proscrire. Question is forbidden. Parce que ça vient créer le désordre. Because it comes to create disorder. Autre chose qui crée le désordre, c'est l'oisiveté. Another thing that creates division is idleness. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 11. Second Thessalonians 3. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. L'oisiveté. Idleness. C'est un élément de désordre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est oisif, because when you're idle, on s'occupe des futilités, you take care of useless et ça things, produit le désordre. And it produces disorder. Des personnes qui en longueur de journée, those who, the whole day, n'ont aucune planification en ce qui concerne la prédication de l'évangile. Have nothing to do with the preaching of the gospel. On passe tout le temps à raconter de tout et de rien. We spend the whole day talking about nothing. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Pour que l'évangile avance, in order that for the gospel il to est important forward, pour nous de travailler. It is important for us to work. Et pendant qu'on travaille à ce que l'évangile avance, while we work for the gospel to on advance, ne peut pas s'occuper des futilités. We cannot take care of useless things. Or, puisqu'on ne travaille pas pour que l'évangile avance, since we are not working for the gospel to on est dans advance, les futilités, we are into useless things. Et ça entraîne tout ce que ça peut entraîner. And it brings all that it can bring. Les disputes, par exemple, également. Arguments, for instance, ce sont des choses qui entraînent le désordre. That things that bring about Jacques chapitre 3 verset 16. James chapter 3 verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Les disputes, arguments, ça entraîne le désordre. Brings about disorder. Et ça produit des mauvaises actions. And produces bad actions. On dispute surtout. We argue about des discussions de mots, des discussions de ceci, argue about this, qui n'ont rien à voir, which have nothing to do, avec l'Église, with the church. C'est sur ça qu'on s'attarde. That's what we et la Bible dit. And the Bible says, dans un lieu où il y a des disputes, in a place where there is argument, il y a du désordre, there is disorder, et toutes sortes de mauvaises actions, and all kinds of bad actions. Amen. Amen. Or, Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, car Dieu n'aime pas le désordre. C'est un Dieu d'harmonie et de paix, et il se manifeste comme tel dans toutes les assemblées de ceux qui lui ont consacré leur vie. Nous allons voir un dernier point. We are going to see the last point. Un dernier élément. The last element. Parlant de l'exercice de la discipline. Talking about discipline. Comme élément nécessaire à l'ordre. As an element necessary for order. Parce que la discipline doit être exercée pour que l'ordre règne. Because discipline has to be exercised so that order may reign. Parce que s'il n'y a pas de discipline. Because if there is no discipline. C'est le désordre. We're going to have disorder. Et quand c'est le désordre. And when there is disorder. Rien. Nous ne pouvons pas être ferme dans la foi. We are not going to be firm in faith. Et nous ne pouvons pas vaquer à notre mission qui est la prédication. And we cannot go about our mission which is the preaching of the gospel. Alors, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 12. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 12. La Bible dit. The Bible says. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de l'église? Certes non. Ce n'est pas mon affaire. Par contre, c'est bien à vous de juger ceux qui appartiennent à votre communauté. Et c'est sous votre responsabilité que la discipline doit s'exercer chez vous. Amen. Amen. Donc la Bible nous rapporte ici que en fait la discipline doit être exercée au milieu de nous. The Bible says discipline has to reign in our midst. La discipline doit être exercée au sein de l'église. If discipline has
to reign in church. La discipline doit être exercée dans la maison de Dieu. Discipline has to reign in the house of Parce God. Parce qu'une maison sans discipline. Because a house without discipline. C'est une maison qui ne peut pas prospérer. Is a house that cannot prosper. Or, quand on parle de la discipline, and we talk about discipline, on a l'impression que on est en train de vouloir parler du matraquage, we si have, on le dit ainsi. We have the impression that we want to talk about striking. Mais il ne s'agit pas de cela. It's not about that. Or, quel est donc le but de la discipline dans l'église? What is the aim of discipline in the church? Le but de la discipline dans l'église, c'est de conseiller. Is to counsel. Ou encore d'exhorter. Or to exhort. 1 Timothée chapitre 5 verset 1. 1 Timothée chapitre 5 verset 1. Ne réprimande pas durement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, des femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Donc, le but de la discipline, the aim of discipline, c'est d'exhorter. Is to exhort. En fait, pour amener quelqu'un dans la discipline, to bring someone into discipline, on l'exhorte. You exhort him. Il ne s'agit pas de réprimander. It's not to rebuke. Il ne s'agit pas de matraquer. Or to strike. Or, c'est le rôle de l'église, is the role of the church, de pouvoir exercer cette discipline. To exercise this discipline. Or, l'église ne va pas exercer cette discipline de façon virtuelle. This, the church is not going to exercise this discipline in a virtual manner. A dans son sein, the church has in its midst des dirigeants, leaders, à qui nous devons un profond respect, to whom we owe deep respect, et c'est eux qui doivent exercer la discipline. They are the ones to exercise. C'est pour ça que Paul dit, that's why Paul says, que c'est sous votre responsabilité, it is your responsibility, que la discipline doit être exercée, that discipline has to be exercised, sur la responsabilité de ces responsables, permettez-moi l'expression. The responsibility of these people. C'est sous la responsabilité de ces responsables. It is under the responsibility of these people que la discipline doit s'exercer. That discipline has to reign. Or la discipline aussi a pour but d'avertir. Discipline too has as to de mettre en garde. Parce qu'il peut s'avérer que nous prenons un chemin qui n'est pas bon. Because we may take a way that is not right. Or pour qu'il n'y ait pas de désordre. So that we will not have disorder. On doit nous avertir. We have to be warned. Pour que nous revenions sur le bon chemin. So that we may come back to the right path. C'est pour ça que 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. Peut nous dire ceci. Nous vous engageons, frères, à avertir ceux qui vivent sans discipline et refusent de se plier au bon ordre dans votre assemblée. Reprenez les oisifs et les paresseux. Relevez les découragés, encouragez les timides, reconfortez les craintifs, soutenez les faibles, soyez très patients avec tous. Donc la Bible nous dit ici, the Bible tells us here, d'avertir ceux qui vivent sans discipline. To warn those who live without discipline. Ça veut dire que quelqu'un qui ne respecte pas un responsable, means someone who doesn't respect someone, quelqu'un qui ne se soumet pas aux recommandations, who is not submissive to recommendations, c'est une personne qui vit sans discipline. Is someone who lives without discipline. Et la Bible nous dit d'avertir de pareilles personnes. And the Bible tells us to warn this kind of ceux-là person. Qui vivent sans discipline. These people who live without discipline. Ceux-là qui refusent de se plier au bon ordre. Those who refuse to be bent to right. L'Église établit au travail de ses responsables une manière de fonctionner. The church establishes through the people in charge. Mais the way il y a certains qui jugent qu'ils ne peuvent pas se plier à cet ordre. But some people think that they cannot be submitted to this. Permettez-moi de prendre un exemple banal. Let me take a simple example. Qui peut paraître banal. Which can be simple. Mais c'est quelque chose que nous vivons au milieu de nous. But something that we live in, among us. L'Église s'est assise. The church sat down. Au travers de ses responsables. Through people in charge, et a pris la décision, and took a decision, que il faudrait que chaque sauvé, that so that every saved one, chaque membre de l'assemblée dont nous formons, every member of the assembly that we make up, puisse payer ses besoins pressants, will pay its pressing needs. Alors l'Église donne cet ordre, the church gives this order, que chaque membre, that every member, doit payer les besoins pressants, has to pay the pressing needs. Or, refuser de se plier à cet ordre, refusing to obey this order, c'est vivre dans l'indiscipline. Is
living in indiscipline. Or plusieurs peuvent se dire that many could say que nous n'avons pas besoin de payer les besoins pressants. We don't need to pay the pressing needs. Ils sont, ils ne se, ceux-là qui font ça, those who do this, ils ne se plient pas au bon ordre. They are not following the right order. Qui a été donné dans notre assemblée? That was given to our assembly. Or notre assemblée ici. Our assembly here. De façon continentale. In a continental sense. C'est l'Afrique. It's Africa. Et sur en fait sur le plan territorial, c'est-à-dire que en chaque pays. And in every country. C'est la coordination nationale. Is the national coordination. C'est le district. Is the district. C'est l'assemblée. It's the assembly. Ne pas se plier à cet ordre. Not being submissive to this order. C'est être dans la, c'est être dans la discipline. Is being indiscipline. Et l'assemblée, the assembly, ou encore l'église, or the church, a le devoir has as duty d'avertir tout cela. To warn all these people. C'est leur, c'est la responsabilité de l'église. Is the duty of the c'est church. La responsabilité des responsables. Is the duty of those in charge. La discipline aussi consiste aussi à reprendre ou encore à réprimander si c'est nécessaire. Discipline too warns and rebuke if necessary. 1 Timothée chapitre 5 verset 20. 1 Timothée 5 verset 20. Cependant, s'il est démontré que certains d'entre eux ont manqué à leur obligation ou commis quelques fautes, s'ils persistent dans leur péché, reprends-les publiquement devant l'Église afin que cela serve d'avertissement aux autres et leur inspire la crainte de Dieu et la peur du péché. Donc bien-aimé dans le Seigneur, on se rend compte que l'Église, pour discipliner, in order to discipline, peut aller jusqu'à la réprimande. And go to lorsque cela est nécessaire, when it's necessary, et reprendre la personne and lorsque cela est nécessaire. When it is necessary. Donc bien aimé dans le Seigneur, so beloved in the Lord, c'est ça la discipline, that is discipline qui doit s'exercer dans l'Église, it has to be afin que l'ordre règne. So that parce que l'ordre dans l'Église passe aussi par l'exercice de la discipline. Order in the church comes from the exercise of discipline. C'est pour ça que c'est très important. That's why it's very important. Cette discipline, this discipline, elle est très importante. It's very important. Et l'assemblée, and the assembly, doit pouvoir être capable de retirer lorsqu'il y a résistance à la discipline. Should be able to withdraw when there is resistance. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 13. 1 Corinthiens 5 verset 13. Pour ceux du dehors, c'est Dieu qui le juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Quand on parle de ôter le méchant du milieu de vous, well, it is said to take away the. Est-ce qu'on dit qu'on va chasser la personne? Does it mean we are going to send the person away? Non. No. En fait, c'est que on mettra la personne sous discipline. Is that we are going to put this person under discipline? Si quelqu'un dans un groupe d'action, if someone in an action group, il ne fonctionne pas selon les prérogatives de ce groupe d'action, he doesn't function according to the rules of this group, on l'écarte d'abord de ce groupe. He is taken away from this group. Le temps qu'il comprenne. The time he understands, et qu'il se plie à la marche qui est dans ce groupe. I have to submit himself to the rules. Alors il peut revenir. Then he can come back. Parce que même dans l'assemblée qui était dans le désert, because even in the assembly that was in the desert, Dieu veillait à la pureté de cette assemblée. God was watching over the purity of this assembly. Dans Nombres chapitre 5 verset 1 à 4, chapter 5 verse 1 to 4, la Bible dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. Homme ou femme, vous les renverrez hors du camp afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Dieu a toujours eu à veiller à ce que tout ce qui peut venir souiller sa demeure, God has always made sure that everything that will come to soil his dwelling place soit mis de côté. We may put aside. C'est pour cela que, that's why, si quelqu'un, if someone, est dans l'indiscipline, is in indiscipline, il va affecter négativement l'endroit où Dieu habite. You will, if infect
negatively, the et Dieu va se rassurer qu'il soit mis and God will make à sure that he's put aside afin que so that sa demeure ne soit pas souillée. His dwelling place will not be soiled. C'est vrai qu'il y a deux choses. That's why we have two things sur lesquelles la discipline doit également être exercée. Of which discipline has to be exercised. Nous avons we have les péchés moraux. Moral sins. Bon, dans tous les cas, c'est comme ça que j'ai pu illustrer cela. That's how I put it. Ce sont des choses sur lesquelles l'assemblée doit exercer la discipline. There are things over which the assembly. Parce que ces actes entraînent de façon subtile le désordre. Because these things bring disorder. Dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1, la Bible dit. The Bible says, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point où l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, beloved in the Lord, ces actes, these acts, ce sont des actes sur lesquelles la discipline doit être exercée. There are things over which the discipline has to be exercised. Parce que bien aimé dans le Seigneur. Because beloved in the Lord. Cette personne qui commet ce forfait. These people committing these things. Cette personne est bien sauvée. They are saved. Mais regardez comment le désordre va entrer à cause de son acte. Just see how this other will come. C'est que quand il va commettre cet acte. When you commit this act. Il est sauvé. He's saved. Et on aura l'impression que l'Église encourage cela. You have the impression that the church encourages it. Au point où, to the point where, quand par exemple on entend que sauver c'est sauver, when we hear that saved is saved, cette parole qui est vraie, this word that is true, et qui est certaine, and which is certain, elle devient ambiguë, becomes ambiguous. Elle devient ambiguë pourquoi? Why does it become ambiguous? À cause de certain nombre d'actes que les uns et les autres posent. Because of a certain number of things that some people do. Et il peut maintenant avoir des camps. And now it have comes. Ceux qui disent que sauver c'est sauver. Those who say that saved. Et ceux qui disent que sauver n'est pas sauver. And those who say saved is not saved. Ou alors ceux qui disent que sauver c'est sauver mais. But those who say saved. Alors nous avons déjà dans l'église plusieurs sons de cloche. Now we have the church many. Et ça crée le désordre. And creates disorder. À cause de quoi? Why? À cause des actes moraux. Because of. À cause des actes immoraux. Because of immoral acts. Que certaines personnes posent. That some people commit. Et qui jettent du discrédit. And that discredits sur la parole même que nous prêchons. The words we preach. Ce qui entraîne le désordre. Which brings disorder. Et l'Église doit pouvoir exercer la discipline là-dessus. And the church has to carry out discipline. Parce que ne pas exercer la discipline là-dessus. Because not exercising discipline. C'est être dans le laxisme. Is being. Or être laxisme dans la discipline. Weak. Being weak in discipline. Entraîne les représailles de la part de Dieu. Brings rebuke from God. Et on peut voir cela avec le cas de, avec le cas d'Élie et de ses enfants. And we can see it in the case of Élie a été laxiste. Elijah and his sons. Élie a été laxiste. He was weak. Face au comportement de ses fils. To the behavior of his sons. Et Dieu l'a rebuté pour ça. And God rebuked him for that. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Aujourd'hui, today, on jette du discrédit sur les leaders. The leaders are discredited. Sur des responsables. And people à cause d'un bon nombre de choses que les uns et les autres font. Because of a certain number of things that some people do. Bon, peut-être le silence. Maybe the silence. A fait croire aux autres que même les responsables y sont. Made people to believe that alors, the leaders. Ou alors qu'ils valident cela. Or they agree with it. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Love to the Lord. Ce sont des choses que l'Église ne valide pas. There are things that the church et does not admit. Doit être exercée. And the discipline has to be exercised. C'est pour ça que bien aimé dans le Seigneur. That's why beloved in the Lord. La position de l'Église. The position of the church. Vis-à-vis d'un certain nombre de choses. To concerning a certain number of things. Devient très important. Becomes very important. Pour que nous qui fonctionnons ou alors ceux qui vont venir. So that those who will come. Que personne ne soit dans l'ignorance. That no one will be ignorant. Et que personne ne mette dans sa tête que that no one will have any ce sont des choses que l'Église valide. That there are things that the church admits. Que non. No. C'est ça que plusieurs dispositions ont été prises. That's why many dispositions have been parlant même de certaines
de certaines recommandations qui ont été données. Talking about certain recommendations that were given par l'Église. By the church. Sur les actions des uns et des autres sur des réseaux sociaux. Concerning the action of certain people. Afin que personne ne prenne cela so that no one will take that comme étant une action que l'Église valide. As an action that the church admits. Parce que en fait, because in fact, l'Église prend un certain nombre de dispositions because the church takes afin de veiller à la discipline. In order to watch over the discipline. Amen. Amen. C'est ça que Paul peut dire dans Éphésiens chapitre 5, verset 3 et verset 11. Ephesians chapter 5, verse 3 and 11. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Et ne permettez point et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, l'Église doit pouvoir condamner un certain nombre de choses. The church has to condemn a certain number of things. Tout ce qui peut entraîner le désordre, everything that can bring disorder, l'Église doit condamner cela. The church has to condemn. Mais est-ce que l'Église va se lever et dire nous condamnons cela? The church just stand up and say we condemn it. Ça se passe au travers des recommandations. It passes through recommendations. Ça se passe au travers des instructions. It passes through instructions qui sont données that are given par les responsables des églises, par les responsables de l'Église. By the people in charge of the church. L'instruction donnée par le responsable de l'Église. The instructions given by the leaders of the church. C'est une instruction qui demande qu'il ne prend pas position ou alors il ne prend pas part à tout ce qui est une œuvre infructueuse. It's evident evidence that the church doesn't take part in the fruitless works. Et lorsque nous sommes attentifs à la vie de l'Église, and when we are attentive to the life of the church, on peut se rendre comment l'Église prend position sur un certain nombre de choses. We can realize that the church takes position. On peut se rendre compte comment l'Église, we realize that the church ne participe pas aux œuvres infructueuses, take part in fruitless, au travers des recommandations qui sont données, from the recommendations that are given par le responsable, by the leaders, par le leader. Autre chose, another thing, sur laquelle l'Église doit exercer la discipline, over which the church has to exercise discipline, c'est la surveillance sur la doctrine. Is being watchful on the doctrine. Pourquoi? Why? Parce que la Bible dit dans Galates chapitre 5, Galatians 5 verse 9, un peu de levain fait lever la pâte. Un peu de levain fait lever la pâte. Or le levain ici c'est la fausse doctrine. Yeast here is false doctrine. Lorsqu'on la laisse, when it is admitted, lorsqu'on la laisse introduire, when it is, lorsqu'on n'a pas un regard dessus, when it, we are not watchful over it, elle entraîne autre chose. It brings about some of the c'est fait que Paul pouvait rappeler ceci à Timothée. 1 Timothée 1, verset 3. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 3. Où il dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Timothée ici est un leader. Timothy here is a leader. Il est le responsable de l'église d'Éphèse. He's the one in charge of the church in Ephesus. Et en tant que responsable de l'église à Éphèse, and as a leader of the church in Ephesus, Paul lui a donné une recommandation. Paul gave him a recommendation. C'est de veiller à ce que qu'on n'enseigne pas d'autres doctrines. Is to be watchful so that another doctrine will not be taught. Parce que laisser entrer d'autres doctrines, admitting another doctrine, c'est créer le désordre. Is creating disorder. Amen. Amen. Et la preuve, on peut le voir the proof, dans Actes chapitre 15, verset 24, 23 to 24, où les apôtres disent, ayant appris que quelques hommes parmi partis de chez nous, auxquels nous n'avons donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Donc, dans l'église, in the church, ça s'est passé. It happened. Où des frères sont partis, where brothers left, et se sont mis à enseigner autre chose, and started teaching another thing. C'est autre chose qui était en déphasage avec la doctrine. Another thing that was opposing the doctrine.
Et ça a créé le désordre. And created disorder. Or, il est important pour l'Église. It is important for the church. D'exercer une veille là-dessus. To exercise. L'Église doit veiller. The church has to watch. Sur la doctrine. Over the doctrine. Et il est important que l'Église discipline. It is important that the church discipline. Lorsque on s'écarte de la doctrine. When we are parting from the doctrine. Parce que si une discipline ne s'exerce pas là-dessus. Because if discipline is not exercised. Ça va forcément entraîner le désordre. It will bring about disorder. C'est pour ça que la Bible dit. Dans Hébreux chapitre 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le cœur doit être affermi par la doctrine. La vraie doctrine. The heart has to be strengthened by the et la responsabilité de l'Église. And the responsibility of the des church, dirigeants de l'Église. The leaders of the church, c'est de veiller à ce que is to watch so that les gens soient nourris de la bonne doctrine. That people are fed with the right doctrine. Parce que dès qu'il y a une introduction de la fausse doctrine. Because when we have admit false doctrine. De la mauvaise doctrine. Bad doctrine. Ça entraîne subitement le désordre. It brings about disorder. C'est pour ça que dans 2 Jean, 2 Jean, chapter 1, verset 8 au verset 11, verse 8 to 11. La Bible dit, faites attention, faites donc attention, prenez garde à vous-même, pour que vous ne perdiez pas le fruit de vos efforts, mais que vous puissiez obtenir une récompense pleine et entière. Celui qui ne reste pas dans les limites de ce que le Christ a enseigné, mais s'aventure au-delà, n'a pas la communion avec Dieu. Celui qui reste fidèle, attaché à cet enseignement, reste uni au Père comme au Fils. Si quelqu'un vient vous trouver pour vous enseigner autre chose, ne l'accueillez pas chez vous. Ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Celui qui nous souhaiterait la bienvenue, se rendrait complice de son mauvais travail. Frère, il y a des gens qui font du mauvais travail au milieu de nous. We have people who are doing bad work in our midst. Et ça crée le désordre. And it is creating disorder. Et ce mauvais travail. And this bad work. Ce mauvais travail, c'est quoi? What is this bad work? C'est qu'ils vont au-delà des enseignements que nous avons reçus. They go without the teaching we receive. Ils ne restent pas dans les limites de l'enseignement que nous avons reçu. They don't stay in the limit of the. Ils ne restent pas dans les limites de la doctrine que nous avons reçu. They don't stay in the limits of the doctrine. Ils vont au-delà. They go without. Or la Bible dit que celui qui va au-delà. And the Bible says that he who goes without n'a pas la communion avec Dieu. Has no fellowship with God. Et s'il n'a pas la communion avec Dieu. And if he doesn't have fellowship with c'est God. C'est à se poser la question s'il est réellement sauvé. We need to ask the question if he's really saved. Mais celui qui reste fidèle. But he who stays à la doctrine. To the doctrine. C'est celui-là qui est attaché. Is he who is attached to God. Or, plusieurs de ceux-là qui ne sont pas dans les limites de la doctrine. Many of those who do not stay in the limits of the doctrine. Ceux-là, la Bible dit de ne pas les accueillir. The Bible says we should not welcome them. De ne même pas les souhaiter la bienvenue. Not even to welcome them. De ne même pas communier avec eux. Not even to fellowship with sinon them. Nous nous rendons complices de leur travail. If not, we are going to be accomplices of their. Or la responsabilité de l'Église. But the responsibility of the church. C'est de veiller. Is to watch. À ce que. So that. Les uns et les autres restent dans les limites de la doctrine. The one and the other stays in the donc il y a un travail d'éveil. There is a watchful work que l'Église fait. That the church il y a un travail d'éveil que les dirigeants de l'Église font. There is a watchful work that the leaders of the church do. Pour rester dans les limites de la doctrine. To stay in the limits of the doctrine. Parce que si ce travail d'éveil n'est pas fait, because when this watchful la fausse doctrine va entrer, false doctrine will come in, et ça va créer du désordre. And will create disorder. C'est pour cela que that's why nous devons prêcher la bonne parole, we have to preach the right word, quelles que soient les occasions, no matter the occasion, sans toutefois rougir, sans toutefois avoir honte, without being ashamed. 2 Timothée chapitre 4 verset 2, 2 Timothée chapitre 4 la Bible dit,
prêche la parole. Sois zélé pour elle. Proclame avec insistance le message divin. Peu importe l'occasion. Peu importe que l'occasion t'apparaisse favorable ou non. Qu'il soit bien ou mal accueilli. Parle à la conscience de tes auditeurs. Démontre, convainc, refute les erreurs. Censure le mal. Encourage ceux qui font le bien. Exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que le travail d'éveil sur la bonne doctrine est d'insister sur la prédication de la bonne doctrine. À tout moment. At every moment. Que ça nous paraisse favorable ou pas. Whether it be favorable or not. La Bible dit. The Bible says. Qu'il soit bien accueilli ou mal accueilli. Whether it is welcomed or not. Nous devons prêcher. We have to preach. Bien-aimé dans le Seigneur. Loved in the Lord. Comme je l'ai dit plus haut. Like I said before. Les attitudes des uns et des autres. The attitudes of one another. Qui s'orientent ou alors qui s'orientent dans ce qui est mal. Which are oriented to evil. A entraîné une déviation dans la doctrine. Has brought a deviation to the doctrine. Au point aujourd'hui, quand par exemple on peut enseigner sur the point where you can preach on la souveraineté de Dieu, God's sovereignty, parler que Dieu est derrière saying toute that chose God is behind et ce qui est vrai, which is true, ça commence à poser un problème. It starts bringing a problem. Ça commence à poser un problème. It starts bringing a problem. Et là, à cause des comportements des uns des autres, because of the behavior of la doctrine another, est écorchée. The doctrine is broken. Et d'autres viennent avec des enseignements and some bring some qui n'ont rien à voir avec la doctrine. Do not have anything to do with the doctrine. Et ça devient du désordre. And it becomes disorder. Au point où, to the point where, quand on enseigne que Dieu est derrière, when we teach that God is behind, pour certains, c'est mal accueilli. To others, et pour d'autres, c'est bien accueilli. To others, mais bien aimé dans le Seigneur, dans l'exercice de veille, in the exercise of, dans l'exercice de la discipline sur la bonne the doctrine, exercise of discipline over the right doctrine, Paul dit, Paul says, nous devons prêcher la bonne doctrine. We have to preach the right gospel, qu'il soit bien accueilli, whether it be welcome or not. Nous devons parler à la conscience de nos auditeurs. We have c'est-à-dire à la conscience de ceux-là qui nous écoutent. Talk to the conscience of those afin que cela soit ancré en eux. So that it may get into au plus profond de leur cœur. In, deeply in their heart. Pour qu'ils ne soient pas ébranlés. So that they will not be shaken. Parce que lorsqu'ils sont ébranlés, because when they are shaken, ça va créer le désordre. It creates disorder. C'est pour ça que bien aimé dans le Seigneur, that's why beloved in the Lord, l'exercice de la discipline dans le cadre de la doctrine, exercising doctrine est un élément capital. It's a capital element pour maintenir l'ordre dans l'église. To maintain order in the church. C'est pour ça que that's why, dans Tite chapitre 2, in Titus chapter 2, au verset 1, verse 1, Paul pourrait dire, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Donc, c'est de notre responsabilité. It is our responsibility. De dire les choses qui sont conformes à la to say doctrine. Things that are according to parce que the quiconque, right selon Jean chapitre, selon 2 Jean 2 John chapter 1, verset 9 à 10, verse 9 quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Donc, pour nous, nous devons demeurer dans la doctrine. To us, we have to stay et la prêcher. Et l'a prêché preach, jusqu'à qu'il soit bien accueilli ou pas. It, whether it be welcome or not. C'est pour ça que ceux qui s'en écartent, that's why those who go away from on it, va les ramener. We have to bring them back. Jacques chapitre 5, verset 19. James chapter 5, verse 19 to 20. Frères, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité, if someone went far from the truth, c'est de notre responsabilité de le ramener. It is our responsibility to bring him back. C'est pour ça qu'une veille doit être faite. That's why we have to be watchful.
L'église doit veiller. The church has to watch. Sur la bonne doctrine. Over the right gospel, right doctrine. Amen. Amen. Alors bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Nous allons terminer. We are going to end. Avec 2 Thessaloniciens chapitre 3. With 2 Thessalonians 3 verse 6. Qui nous dit. Which says. Nous vous recommandons donc, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Ton bien-aimé dans le Seigneur, le respect des instructions, le respect des aînés, ou encore le respect des responsables, For those in charge, l'exercice de la discipline, exercise of discipline sont des éléments elements importants important element pour l'ordre dans l'église. For order in the church. Et lorsque ces éléments sont respectés, when these elements are respected, l'église the church est mieux affermie dans la foi. Is stronger in faith. L'église the church peut mieux vaquer à sa mission. Can go about its mission, qui est la prédication which is the preaching of the gospel. Parce que Dieu n'a pas fait sa maison. Because God has not made his house pour qu'on y vive dans le désordre. For us to live in disorder. Que Dieu bénisse sa parole. And may God bless his word. Je vous remercie beaucoup. Thank you very much. Permettez-moi de prier. Let me pray. Nous te disons merci Seigneur pour ce que tu nous as permis d'écouter ce soir. Merci pour les mots que tu as su mettre dans ma bouche. Seigneur, aide-nous davantage à méditer là-dessus et avoir une compréhension plus exacte de l'ordre dans l'Église, afin que, Seigneur, par notre conduite, que nous puissions être des modèles. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Merci beaucoup.